mais on traitera de façon indirecte également de l'activité économique avec deux délibérations qui portent sur la société Ectra. Donc Serge Pommelet ne sera pas, bien évidemment, sortira de la salle du conseil municipal pour ces deux délibérations. Donc sont excusés Jamila Nadjidjé, qui a donné pouvoir à Isabelle Dumas. Donc, j'ai pas eu le temps de regarder. Est-ce que Patrice Kaufmann est là? Patrice Kaufmann est là? Non. Annie Fragola. Est-ce qu'Annie est là? Oui. Est-ce qu'elle accepte d'être secrétaire de séance? Très bien. Merci. Merci Annie. Très bien. Est-ce que vous avez des remarques sur le dernier PV donc du conseil municipal du 27 janvier 2023? Non, pas de remarques. Donc, on va tout de suite signer le PV. Je crois qu'il faut le signer tout de suite, sauf erreur de ma part. C'est pratique. Le secrétaire de séance du dernier conseil est juste à côté de moi. Ça va nous faciliter la transmission de documents. On a dû vous remettre, on vous a fait passer en tout cas le rapport d'activité 2022, donc des services de la ville. C'est un document qu'on a souhaité et que la direction a souhaité mettre en place pour montrer un petit peu à l'ensemble des élus l'activité de l'ensemble des services. Ça va effectivement de l'accueil, bien évidemment, qui est le premier point d'entrée sur la commune, en passant par les moins visibles, effectivement, des habitants, mais en tout cas le service juridique, la publication des marchés, la restauration, l'urbanisme et l'instruction des droits des sols. Donc voilà, ça vous donne un petit peu l'activité de l'ensemble de nos services et vous verrez qu'ils ne chôment pas. Et vous voyez nos labels sur la première page. Nous sommes passés ville internet 4@, ce qui nous a valu beaucoup de remarques, notamment par rapport à l'accès à la fibre. Je rappelle que ce label 4@, ça récompense l'activité de la ville portée par Eric Roots et puis également, bien évidemment, les services sur la communication, sur l'usage des multimédias. Donc, notre présence sur Facebook, la plateforme de concertation, voilà, c'est cet ensemble-là, c'est bien évidemment pas la question de la fibre. La question de la fibre, je le redis encore, c'est un sujet qui est sous la responsabilité du département, c'est France Isère Fibre. Je vais demander qu'on fasse un point prochainement sur où on en est au niveau de la ville de Crolles, sur ce déploiement, parce que c'est vrai qu'on a plusieurs remontées d'habitants qui se plaignent en disant on n'est pas encore raccordé. Donc je vais solliciter le vice-président du département et le président de la communauté de communes pour essayer d'organiser une réunion avec l'ensemble des élus du territoire et maires du territoire pour qu'on ait une communication pour savoir où on en est. Parce que c'est très difficile, quand on appelle France Isère Fibre, d'avoir des réponses à ces questions. Donc c'est un vrai sujet. Malheureusement, ce n'est pas sous maîtrise communale ni intercommunale. C'est le département qui a la main sur ce sujet-là. Bien, d'autre part, nous allons aborder dans cette séance du conseil municipal le DOB. Donc le DOB, c'est le débat d'orientation budgétaire qui donne, en gros, les orientations et les projets que nous allons porter. Bon. J'ai été interpellé par le groupe d'opposition dans son dernier article sur la logique, en gros, à vouloir trop en faire, on ne fait rien. Sachez, mesdames et messieurs, que quand j'annonce que je vais faire, je fais. En l'occurrence, j'ai été interpellé sur la logique de ce qu'on appelle les ateliers de la fresque du climat. Et j'avais dit à M. Giré qu'en tant que président de la communauté de communes, nous étions en train de travailler sur le plan climat, air, énergie du territoire, et que dans ce cadre-là, je porterai sous une forme type fresque du climat
une concertation avec les habitants du territoire. Et c'est chose faite puisque les conseillers communautaires d'opposition ont dû sans doute noter au dernier conseil communautaire qu'il y avait une délibération que je présentais sur le PCET et que dans cette délibération, clairement, il était noté qu'une plateforme de concertation numérique serait mise en place. J'y travaillais ce matin, hein, pour vous dire un petit peu le rythme auquel on avance. Donc, j'y travaillais ce matin. Et que, concernant les ateliers grand public, ils vont être en place. Nous aurons 7 ateliers sur l'ensemble du territoire autour de ces sujets. Et ça sera porté par un outil qui est peut-être plus ancré sur une réalité locale comparé à la fresque du climat, qui sera la logique des ateliers autour de la fresque de la renaissance écologique. Donc vous voyez que quand je m'engage et quand je porte des choses, j'essaie de les faire avancer. Mais parfois, vous savez, pour faire avancer, il faut utiliser beaucoup de salive, il faut discuter et il faut convaincre. Et moi, j'essaye toujours d'avancer et quand je prends un engagement, j'essaye de le tenir. Donc en l'occurrence, c'est le cas, l'engagement est tenu. Ensuite, il n'y a pas que moi qui m'engage. L'ensemble des élus de cette majorité s'engagent. Notamment, on est souvent décrié sur la concertation, disant que nous n'avons pas la bonne concertation. Bon, j'en veux pour preuve le nombre d'habitants présents sur la réflexion sur le PLU et l'urbanisation. Il y a eu bien plus de monde que sur les 2 précédents ateliers, parce que nous avions près d'une 40aine de personnes dans cette salle, et j'étais vraiment très satisfait. Parce que j'appelle toujours la concertation de mes voeux, on fait un certain nombre de réunions où les gens peuvent effectivement discuter, échanger sur les politiques que nous menons et nous pouvons intégrer un certain nombre de réflexions qui sont portées. C'est ce que nous avons fait logiquement avec un certain nombre de remarques portées par la minorité sur l'élaboration du plan d'aménagement et développement durable du territoire. Donc nous écoutons, nous prenons en compte, nous ne prenons parfois pas tout en compte, ça c'est évident. Mais en tout cas, nous prenons en compte et sur cette démarche de concertation, on voit bien que en gros, les gens se mobilisent quand ils ont un intérêt et un intérêt malheureusement souvent particulier. Parce que l'urbanisme, les gens ont souvent un intérêt très particulier parce que, est-ce que mon terrain va être constructible? Est-ce que je vais avoir des immeubles à côté de chez moi? Est-ce que je vais pouvoir enfin dépasser les interdictions qui me sont faites, par exemple, sur le plan de prévention des risques hein, qui est décidé notamment sur les chutes de blocs par le préfet. Donc, dès qu'il y a un intérêt très particulier, on voit que les gens se mobilisent plus. Moi, j'ai regretté que sur les mobilités, par exemple, on ait eu peu de monde. Sur la nature en ville, ce sont des sujets dont on parle souvent ici. La nature en ville, ça a mobilisé assez peu de monde. Néanmoins, un certain nombre de remarques ont été posées par les présents et elles seront intégrées dans les propositions réglementaires que nous ferons. Donc vous voyez que cette concertation, on l'avance et quand l'équipe municipale s'engage, elle s'engage et elle sait tenir ses engagements. Et c'est le cas notamment sur la plateforme de concertation. Je pense qu'Éric peut dire un petit mot sur planter un arbre. Oui, tout à fait. Donc, la concertation, c'est aussi derrière de l'action. Donc, sur planter un arbre, on avait lancé la concertation cet automne. Il y a eu tout de suite des actions dans les mois qui viennent sur 2 projets. Et on a aussi interpellé la communauté de communes parce qu'il y a une proposition qui se plaçait dans la zone économique de Crolles, donc pas la compétence de la commune. Et on a la bonne nouvelle d'apprendre que la communauté de communes a planté 50 arbres dans cette partie-là. Voilà. Et toujours sur cette concertation, on a bien sûr mis en plus dans le budget la suite des propositions de planter un arbre sur les mois qui viennent. Et Gilbert, vous voulez donner un complément? Bon, juste une petite précision, puisqu'on parle d'environnement et plantation d'arbres. Bon, au budget de 2022 était prévue la réfection de la place Berthet. Ce chantier va commencer la semaine prochaine. Là aussi, on a consulté, on a invité les riverains qui sont directement concernés par cet aménagement. Ils le sont d'autant plus qu'on va essayer de déminéraliser pas mal. C'est quelque chose qui a été vu en commission aussi. Ce chantier commence le 6 mars. Le parking qui est à côté va être aussi refait dans le style de ce qui a été fait à Lidl, puisque
on ne souhaitait pas mettre des pavés enherbés, parce qu'un pavé enherbé, il faut quand même le protéger pendant quelques temps avant que la circulation aille dessus, sinon l'herbe ne le pousse pas. Là, c'est quand même difficile de fermer ce parking pendant plusieurs mois ou semaines. Donc, on a opté plutôt pour un parking type Lidl, où vous voyez tous, il y a quand même une partie enherbée au milieu, et puis les gens stationnent sur des matériaux. Puis, je profite que j'ai le micro, parce que vous nous avez donné quelques chiffres dans le bulletin municipal. Là. Donc, bon, vous savez, je suis très curieux, donc je suis allé voir le fameux site Terry Story, là. Et j'ai trouvé beaucoup de chiffres. Alors, je vous invite tous à y aller, parce que je ne vais pas vous faire une litanie de chiffres, là. Mais je peux trouver, par exemple, des milliers de kilomètres de pistes cyclables à crolles, et 0%, il y a 0% de bâtiments chauffés avec le réseau de chaleur à crolles. Enfin, je vous invite à aller voir. Didier y est actuellement là-dessus. C'est incroyable. Enfin, si vous ne le saviez pas, il y a plus de 5 millions de kilomètres parcourus dans crolles par les véhicules. Je pense que ça intéresse les crollois. Mais allez voir, allez-y, vous cliquez plusieurs fois dessus et vous allez avoir des chiffres. Par exemple, je vois une distance domicile-travail, 135 personnes, pourcentage 4%. Voilà, ce sont des données, je pense, très fiables. Hein. Enfin, j'ai toutes les photocopies d'écran de tout ce que je dis. Je ne vous donne pas les chiffres, mais je peux vous les donner. Ça peut prendre une demi-heure, mais j'ai toutes les photocopies d'écran de chiffres qui sont cités sur ce site. J'ai 63 000 km² par habitant aussi par rapport à l'étalement urbain. Vous avez un chiffre à 500, mais moi j'en ai un à 63 000 km. Très bien. Bon, alors c'est intéressant. Moi j'ai regardé ce site et je trouve que c'est intéressant. Ça donne de la matière. Alors après, la justesse des données, c'est important. Je pense qu'il faudra. Il faudra qu'on juste savoir, on a 28 millions. d'euros de dépenses d'énergie à Kroll. C'est sur le site, là. Ouais. Vous cliquez dessus, Kroll dépenses d'énergie, ouais. 28 millions d'euros. Lombain en a 6. Enfin, ce sont des gens. Ouais. Bon. Non, mais on regardera parce que ces données sont colligées au niveau de la région. Non, mais je dis ces données sont colligées au niveau de la région. Moi, je suis allé jeter un petit coup d'œil sur le site. Je trouve que c'est un site intéressant. Mais après. Tu as raison, il faut regarder d'où viennent les données. Est-ce que ces données sont fiables à 100%? Non, mais comme dit Gilbert, moi, je n'avais pas été, donc Gilbert m'a invité à regarder. Je prends un chiffre parmi tant d'autres, accessibilité à l'emploi, 194 200 emplois à Kroll. Enfin, l'accessibilité relative assez bonne. Non, mais je veux dire, c'est une bonne référence pour donner des chiffres liés dans le bulletin municipal. Très bien, on regardera parce que je n'ai pas plus creusé que ça. Non, mais très bien, mais c'est une bonne remarque parce que c'est vrai que si on diffuse et qu'on diffuse de l'information, je trouve que c'est intéressant qu'on diffuse de l'information parce que ça permet au grand public de saisir d'un certain nombre de sujets, d'avoir accès à des données, mais encore faut-il que les données soient fiables. Monsieur Alain Javet. Oui, je voulais juste rebondir sur ce qu'a dit Monsieur Roots là sur l'opération planter un arbre. J'étais en commission agriculture avec d'ailleurs Françoise Lannoy mardi et le Grésy Vaudan nous a informé d'un dispositif du département de l'Isère, un arbre un habitant en Isère d'ici 2028, où le département veut planter 1 million d'arbres en Isère. Et du coup, la commune de Kroll peut bénéficier d'une aide jusqu'à 20 000 € sur 2 ans. Donc voilà l'info si jamais les services ne l'avaient pas. Bon, merci Monsieur Javet de vous faire le relais effectivement du département, mais peut-être demain de la région, puisque Monsieur Wauquiez avait annoncé également un chiffre d'1 million. Je pense que ça doit être des chiffres qui marquent sur certaines entités. 1 million de lampes LED, donc 1 million d'arbres. C'est très bien, mais je trouve qu'on est. Nous, on n'a pas annoncé le nombre d'arbres qu'on avait plantés, mais on les plante. Simplement oublié, tellement pressé de donner des chiffres, j'ai simplement oublié qu'il y avait aussi une extension du parc Jean-Claude Paturel, que ce dossier était en consultation et qu'on avait un retour des consultations d'ici un mois. Très bien. Ça veut dire chantier après. Sur la partie fleurs, etc. Oui, extension du parc en dehors du terrain de pétanque. Très bien. Parfait. Bien.
Je vous propose qu'on passe à l'ordre du jour. Donc, Serge juste, juste une question. Parce que oui. Dans le nom du site internet, je n'ai pas entendu. C'est sur le bulletin d'opposition. Ouais. D'accord. Oui, oui. Non, ça ne parle pas de la communauté de communes. C'est un site. Non, mais... Oui, et c'est un site. Oui, non, mais j'entends bien. Mais c'est un site qui est générique au niveau national et qui recense un certain nombre de données sur les communes. Et ce site est porté par la région Rhône-Alpes, sauf erreur de ma part. Donc, ce sont des organismes qui travaillent à collecter ces données et qui ensuite les publient. Mais c'est intéressant le travail qu'a fait même petite échelle Gilbert Cros, parce qu'il faudra s'intéresser à ça, parce que c'est important qu'on vérifie, nous, communes, que les données soient justes, ou en tout cas qu'elles soient dans l'ordre de grandeur de ce qu'on connaît. Si elles ne sont pas dans l'ordre de grandeur de ce qu'on connaît et qu'elles nous apparaissent aberrantes, je pense qu'il faudra faire remonter au niveau des organismes, parce que ça risque d'induire, ça risque d'être contre-productif, et puis induire nos habitants en erreur sur un certain nombre de sujets. Donc, on le vérifiera, mais on fera travailler. Non, mais simplement, j'ai un taux d'étalement urbain, puisque vous en parlez dans le bulletin municipal, qui est de 63 558 m² par habitant. Et vous avez donné 500 et quelques m² par habitant. J'en ai un autre. Hein. C'est Kroll, c'est marqué Kroll. Hein, c'est pas... Non, mais on va pas faire le recensement de l'ensemble des données. Merci Gilbert d'avoir pointé quelques données. Ça nous incite à la prudence sur les données qui sont présentées. Il y en a peut-être qui sont bonnes, d'autres qui sont moins bonnes. Donc, il faudra qu'on regarde de façon plus précise pour éventuellement faire un retour, effectivement, aux publieurs de ces données. Très bien. Pour information, je n'avais pas fait le lien pour ce qui est des aides dont on nous a parlé en commission agricole, parce que les dossiers étaient à déposer avant le 5 mars. Donc, comme on était averti hier, je pensais que c'était un peu juste. Bon, très bien. Bon, donc, c'est toujours le problème de la circulation de l'information. Ça, c'est un vrai challenge. On a beaucoup d'informations qui circulent. Il faut être en capacité de la capter et en capacité d'être réactif. En tout cas, merci, M. Adelin Javet, pour cette information. On verra comment on peut éventuellement raccrocher les wagons sur le sujet. Si je peux me permettre, je suis quand même assez étonné que l'opposition découvre sa propre information. Et du coup, il y a des attaques en règle, en particulier sur la concertation. Je me demande qui l'a écrit. Enfin, si vous ne connaissez pas votre édito, est-ce que du coup, derrière, vous êtes d'accord avec ce qui a été écrit à la fois sur la concertation, sur l'échec, sur ce site ? En gros, est-ce que vous concertez entre vous ? Très bien. L'opposition a répondu oui, évidemment. Je retransmets parce qu'on ne vous entend pas. Très bien, je vous propose de passer à l'ordre du jour et d'être dans une forme de réalité qui peut parfois susciter l'émotion, c'est-à-dire que nous avons de l'activité économique. Nous avons, juste avant, nous ajournerons la délibération concernant la convention ville-collège. Hein, elle est reportée. Je préfère le dire au début, merci M. Picavé. Donc, simplement, je reprends, nous avons un développement d'activité économique et une activité économique qui est une activité non pas tertiaire, mais qui est une activité secondaire, c'est-à-dire une activité industrielle. Donc, dans le cadre d'une activité industrielle, bien évidemment, là, il s'agit, en tout cas pour les communes de Bernin et de Crolles, essentiellement de l'activité qui tourne autour des nanotechnologies. Et les nanotechnologies ont besoin d'un certain nombre de produits pour assurer leur process. Bon, il y en a un qui est bien connu, c'est l'acide fluorhydrique, bon, qui est quelque chose d'excessivement toxique, et excessivement toxique, essentiellement pour les personnes qui le manipulent et qui peuvent être en contact direct. Donc, cette activité nécessite effectivement des produits chimiques
et différents types de produits chimiques, dont des produits chimiques inflammables, toxiques. Aujourd'hui, c'est la société Ectra, pas uniquement, mais qui assure pour part effectivement à la logistique de ces produits. Donc, compte tenu de l'augmentation de l'activité du site ST Microelectronics, l'entreprise est conduite à augmenter ses stockages de produits donc chimiques, inflammables et toxiques. Donc, je laisse développer maintenant la délibération. Patrick Ayache, vous avez une note également de synthèse. Merci. Donc, je suis en charge de vous exposer la demande d'autorisation ainsi que l'étude d'impact présentée par la société Ectra à la préfecture de l'Isère le 21 septembre 2022 en vue de procéder à l'augmentation des capacités de stockage de son entrepôt sur son site implanté 310 rue du Berreaille à Crolles. Cette augmentation entraînera le passage du site en Céveso seuil haut. Donc, vu la recevabilité de l'inspection des installations classées à la direction générale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, la DREAL Rhône-Alpes, le 22 décembre 2022, précisant que le dossier peut être mis à l'enquête publique, qui est d'ailleurs en cours. Vu l'autorité environnementale du 5 juillet 22, l'arrêté préfectoral du 23 janvier 23, informant de la tenue d'une enquête publique, donc qui a lieu jusqu'au 28 mars de ce mois, vu l'arrêté préfectoral disposant que les conseils municipaux impactés par le projet de la société Ectra, dont celui de Crolles, sont appelés à formuler un avis motivé sur la requête de la société Ectra, dès l'ouverture de l'enquête et au plus tard dans les 15 jours suivant la clôture du registre de l'enquête. Considérant la note de synthèse jointe au projet de délibération, Monsieur le maire propose au conseil municipal d'émettre un avis favorable sur le projet de la société Ectra d'augmentation de ses capacités de stockage de son entrepôt sur son site de Crolles, sous réserve de la réalisation des études complémentaires recommandées par l'autorité environnementale, étudier précisément le phénomène de dispersion des fumées toxiques suite à un incendie en cartographiant les zones potentielles impactées par le nuage toxique en fonction des vents caractéristiques du site et en analysant les conséquences possibles du rabattement des fumées au sol par la pluie, en proposant des mesures d'information de la population potentiellement impactée. Elle recommande également d'évaluer dès à présent l'impact potentiel sur l'environnement d'un tel scénario. De l'inscription à Vigicru, comme indiqué dans le mémoire de réponse à l'avis de l'autorité environnementale, afin d'anticiper une potentielle crue historique et d'effectuer, si besoin, assorti des demandes suivantes, mise en place d'une réunion de suivi annuelle afin de partager le suivi et le traitement des plaintes des riverains et des tiers. Cette réunion permettra l'organisation de la coordination en cas d'incident. Voilà, en ce qui concerne cette délibération, si vous avez des questions. Simplement avant les questions, oui. je donne une information à ceux qui nous regardent. Il y a bien évidemment une enquête publique et cette enquête publique a été lancée sur demande de la préfecture le 13 février et elle est ouverte jusqu'au 28 mars. Donc, n'hésitez pas à vous présenter en mairie de Crolles si vous souhaitez porter des remarques sur ce projet, donc cette demande de la société Ectra de passer en seuil haut. Alors, au niveau de l'enquête publique, ce n'est pas tous les jours. Hein. Renseignez-vous, c'est jusqu'au 28 mars, mais ce n'est pas tous les jours de la semaine. Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet? Oui. Moi, justement, par rapport au processus, là, je ne comprends pas bien. Là, on va voter sur une délibération, mais il y a une enquête publique. Donc, si l'enquête publique, qu'est-ce qui en sort de cette enquête publique? S'il y a des gens qui sont contre, du coup, ça sera refusé ou... Non, c'est le préfet qui est en capacité de refuser le classement de l'établissement en seuil haut. C'est une autorisation préfectorale. Nous, on nous demande simplement un avis. Donc, sur l'avis, on,
on a eu un certain nombre d'éléments sur cet avis, et donc sur cet avis, on demande, on donne un avis favorable, parce que ça nous semble important que l'activité économique puisse perdurer sur ce territoire, en demandant des analyses complémentaires. Hein, et elles vous ont été données par Patrick Ayache. Ensuite, il y a bien évidemment l'obligation d'une réunion de suivi annuelle, ce qu'on appelle le CSS, j'ai oublié la CSS, hein, c'est ça. Donc, c'est une commission de site qui est réunie sous l'égide du préfet. Il y a 5 collèges de mémoire, dont un collège qui concerne des particuliers et des riverains du site. Donc, cette affaire est suivie. Donc, c'est la préfecture qui autorise au final. Je rajouterai, on ne le voit pas sur le document qui est annoncé, qu'il y a un site, isère.gouv, publication, mise à disposition, consultation, enquête publique. Donc, quiconque souhaite en savoir un peu plus sur cette enquête publique se connecte et il en saura plus. Alors bien évidemment, ces éléments doivent être pris en compte dans le plan communal de sauvegarde, hein, comme l'est déjà le site de ST Microélectronique. Oui. Je voulais simplement, de façon, comment dire, en simple citoyenne aussi, exprimer forcément l'inquiétude que la lecture de cette information peut susciter. C'est-à-dire que moi, je m'interroge vraiment sur la nécessité de toujours courir plus de risques, sachant que voilà, le risque d'incendie va être augmenté parce qu'on va avoir de plus en plus chaud, qu'on aura de plus en plus des températures élevées. Ensuite, le risque d'inondation aussi va être accru. Donc, si vous voulez, moi, à première lecture, c'est ce genre d'interrogation qui m'est venue et ce genre d'inquiétude. Après, je peux tout à fait entendre qu'effectivement, on est dans le cadre d'un développement économique, industriel, que ça répond à des besoins. C'est pas une attaque personnelle envers cette société-là. Mais vraiment, moi, j'ai envie de me faire porteuse de cette inquiétude, de me dire, voilà, à côté de chez moi, il y a ce genre de risque, et est-ce que j'ai la certitude que tout sera bien cadré, qu'il y aura une vigilance permanente et qu'il n'y aura pas un relâchement au niveau de cette vigilance? Voilà, moi, c'est mon interrogation. Et je vous répondrai que, en fait, comme vous l'avez bien lu, c'est une augmentation de produits. Oui. La société ne s'agrandit pas. Cette société ne manipule pas ses produits. Elle fait que du stockage, de la logistique. Par exemple, aujourd'hui, ces produits sont stockés dans le Lyonnais, au sud du Lyonnais. Il y a beaucoup plus de risques à transporter ces produits par la route que de les stocker ici. Toutes les autorisations préfectorales, enfin certaines autorisations et études ont été menées et bien menées, donc sans difficulté majeure. Maintenant, nous, on a un avis à donner. Donc, simplement, je compléterai l'inquiétude est légitime. C'est normal, on va avoir... enfin, il y a un risque. Quelle que soit l'activité humaine, vous avez un risque. Vous courez, vous ne mettez pas de casque, vous pouvez vous tuer au coin de la rue. Donc, toute activité humaine a un risque. La question, c'est comment on gère ce risque et comment on le maîtrise. Aujourd'hui, si on veut... moi, je suis originaire du nord de la France. Quand j'étais petit, je respirais les fumées de la sidérurgie et les fumées des mines et les particules de silice en suspension dans l'air. Je pense que si à l'époque on avait été en capacité de mesurer les nanoparticules, je pense que là on en aurait eu vraiment des quantités assez considérables mesurées. Aujourd'hui, nous avons des outils qui nous permettent de mesurer ça. Il y a 50 ans, on n'avait pas ces outils-là. Bon. Donc ça veut dire que de toute façon, le risque, il est toujours là.
Donc après, c'est comment on met en place tout ce qui permet de réduire le risque. C'est ça le sujet. Moi, j'ai travaillé avec des éléments radioactifs. On va très bien se dire, oh là, c'est dangereux les éléments radioactifs. Mais c'est comment on travaille, comment on maîtrise, et surtout comment au quotidien, on fait en sorte qu'il n'y ait pas de dérive sur le risque et la précaution. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus facile de se protéger vis-à-vis de quelque chose qui sent, par exemple, que quelque chose qui est inerte et qui ne sent pas. Donc aujourd'hui, vraiment, la préoccupation pour moi, c'est de se dire comment on se protège. J'ai visité ECTRA sous mandat précédent. Les dispositifs de sécurité sont très conséquents, vraiment très conséquents. Donc, c'est-à-dire que le risque est maîtrisé. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas à l'abri d'une erreur humaine ou d'un incident, hein, je ne dis pas ça. Mais en tout cas, les gens qui travaillent dans cette société connaissent le risque et essayent, c'est exactement comme sur le site de ST Microelectronics. Hein. ST Microelectronics, quand ils sont passés seuil haut, je ne suis pas du tout maire, je ne sais même pas si j'étais conseiller municipal, mais je me souviens d'une réunion, c'était salle Beldon. C'est vrai que les gens étaient inquiets, mais ensuite la société a apporté des réponses pour rassurer et dire que le premier risque, ce sont les personnes qui sont directement sur le site de l'entreprise. C'est eux qui portent le risque premier, clairement. Et pas tant, finalement, ce qui est autour. On verra, il y a des servitudes sur, qui vont être l'objet de la délibération suivante. Et quand on connaît, quand on regarde les documents de l'enquête publique sur notamment ST, on voit bien les périmètres. Et les périmètres, les premiers périmètres sont très, très restreints sur le site. Et ça déborde un peu, pas tant sur Crolles, mais légèrement sur Berlin. Voilà, légèrement sur Berlin. Donc, c'est essentiellement contenu dans le SIST, pour une bonne part. Mais le risque zéro n'existe pas. On n'est pas à l'abri d'un incendie. On a connu l'incendie Atral. Hein. Tout le monde s'est inquiété. Il y a eu effectivement de libération de polluants dans l'air. Je travaille aujourd'hui au niveau de la communauté de communes pour essayer de faire passer des idées sur le fait qu'on ait peut-être des dispositifs qui nous permettent au moins de recueillir ce qui a été dispersé dans l'air. Mais ça ne sera pas demain, monsieur Giré. Hein. J'y travaille, donc il faut que j'arrive à convaincre les gens sur ces sujets-là. Mais voilà, c'est une préoccupation, c'est de toute façon une préoccupation que moi je porte. La sécurité, c'est quelque chose d'important. Quelque chose d'important, on voit bien aussi avec tous les travaux du CIMBI, 136 millions d'euros qui ont été portés pour une crue centennale. Se produira quand, comment, on ne sait pas. Voilà, on a eu l'événement de Montfort, un événement très particulier. Au Moyen-Âge, on a eu aussi des événements très importants. Bon. On n'est jamais à l'abri du risque, qu'il soit industriel ou naturel. Voilà. Je crois qu'il faut apprendre, malheureusement, à vivre avec ce risque et essayer de le réduire au maximum. Oui. Moi, je n'ai pas bien compris, monsieur Ayage, une partie de votre réponse par rapport au risque qui était moindre dans le stockage que dans le transport, puisque ces matériaux vont bien être transportés quand même, malgré tout. Donc, ça ne change pas. Non, mais ils vont arriver à un moment donné. Ah, ils vont arriver, et le transport entre ECTRA et ST, c'est 500 mètres, 1 kilomètre. D'accord, mais ils viennent d'où, ces matériaux ? Du sud lyonnais. Voilà, donc en fait, vous nous disiez qu'il y avait moins de risques à agrandir ECTRA pour que ça stocke plus de matériaux, parce qu'actuellement ils sont stockés à Lyon, mais ils vont bien venir de Lyon quand même. Alors ce que voulait dire, je pense, Patrick Ayache, c'est de dire qu'on a moins de risques sur le stockage que sur le transport. Voilà. Oui. Aujourd'hui, si on parle de gradation du risque, bien évidemment, quand vous transportez un matériau, il y a plus de risques parce qu'il est dans la circulation, il est sur une voie ferrée, donc vous n'êtes pas à l'abri d'un incident. Alors que quand il est stocké, vous maîtrisez bien mieux le risque. Mais bien évidemment, vous avez raison, il va être transporté d'un endroit à l'autre. Et donc, bien entendu. On va passer d'une plus petite quantité à une plus grande quantité. Donc, une plus petite quantité transportée à une plus grande quantité transportée. Une plus petite quantité stockée à une plus grande quantité stockée. On est d'accord. Je pense qu'il y a aussi une question de planning.
Je veux dire que le transport entre Lyon et Ectra peut se faire à un moment donné la nuit, alors qu'il peut être à tout moment entre Ectra et ST, parce que c'est à côté. Alors que si à 4 heures d'après-midi, il faut faire venir 16 heures un camion de Lyon pour aller à Ectra, ce n'est pas évident. Alors que de Ectra à ST, c'est... Oui, oui. Non, mais tu as raison, Gilbert, ça joue aussi sur les flux logistiques. Donc, c'est comment on gère le flux logistique. Et le flux logistique, quand on est en tension, et vous savez que souvent les entreprises travaillent à flux tendu, l'idée, c'est d'avoir la disponibilité plus sa proximité, parce que tu as raison, quand on fait un transport de nuit, on a moins de risques que quand on fait un transport de jour. De stocker un petit peu plus sur crawl, ça permettra de faire des transports groupés, et donc moins de transports, plutôt que de... Voilà. Okay, merci. Aujourd'hui, pour livrer 10 fûts, on fait 10 voyages, alors que les 10 fûts arriveront à Crawl en une seule fois. C'est un peu ce que je voulais dire tout à l'heure par rapport au transport. Donc, il y a beaucoup... D'accord. Donc, c'est plus clair maintenant. Merci. Voilà. S'il y a d'autres questions. Oui, bien sûr. Oui, alors tout d'abord, je tiens à vous remercier, monsieur le maire, pour cette introduction contextuelle et puis à toutes les réponses qui ont été apportées à nos questions. Le site de Crawl de ST Microelectronics, c'est un site stratégique dans la production de puces électroniques dans l'industrie des nanotechnologies, surtout au vu du contexte international. Donc nous avons tout intérêt à soutenir l'écosystème des entreprises liées à ST, tout en ayant en tête, en prenant en compte l'aspect de la résilience. La résilience dans un monde soumis au changement climatique, dans un monde malheureusement avec un contexte international compliqué. Donc, ma collègue Claire Quinette s'est exprimée sur ses doutes, sur ses inquiétudes. Je pense qu'il faut prendre en compte tous ces aspects. Non, mais vous avez tout à fait raison pour la résilience. Je pense qu'il vaut mieux qu'on soit capable de produire en Europe que d'importer de la Chine. Parce que là, le coût carbone d'un transport à partir de la Chine, c'est non négligeable. Donc tout ce qu'on peut effectivement essayer de produire sur le territoire européen, on y a intérêt. Et on est dans une compétition sur ces sujets au niveau mondial. Les Américains ne se posent pas trop de problèmes. Les Chinois ne s'en posent pas du tout. Je veux dire, ils ne se posent pas la question d'une implantation, pas d'une implantation. Hein, quand ils ont besoin d'une implantation, ils poussent les populations et ils disent maintenant c'est là. Voilà. Et si vous n'êtes pas content, ben, on va en discuter à un autre niveau. Donc ils ont une appréhension effectivement de la démocratie qui n'est pas une appréciation de la démocratie. Hein. On sait bien que c'est un parti unique qui gouverne la Chine et sans partage. Et on voit bien le leader, comment agit le leader aujourd'hui qui est aux manettes. Bon. Donc la résilience, c'est aussi produire sur notre territoire. Et ça, sur tout type. Il y a peu de temps, je discutais sur le bois. Là, on discute des nanos, mais en tout cas, c'est une volonté d'essayer de produire local. C'est exactement comme les produits de la cantine. On essaie de les faire venir bio et local, quand on peut le faire. Même si je n'ai pas complètement répondu à l'autosuffisance alimentaire prônée par la minorité. Mais l'autosuffisance alimentaire de Paris, je ne sais pas comment on va la faire porter par la ville de Paris. Donc ça, c'est un aparté. Donc ça veut dire à quel niveau on travaille. Donc là, je pense qu'on travaille au niveau européen et c'est une bonne chose. Et c'est vrai que le développement économique, c'est ce qui crée aussi de l'emploi, hein, ce qui crée de la dynamique. Hein. Et je rappelle, nos recettes fiscales, c'est 65% des entreprises. Aujourd'hui, tout ce qu'il est possible de faire à Crawl est rendu possible par la présence des entreprises. Nous n'aurions pas ces entreprises, nous n'aurions pas les services que nous avons. Nous ne pourrions peut-être pas accompagner de la même façon les publics les plus défavorisés. Donc c'est aussi ça, la présence de l'entreprise. En complément de ce qu'a dit Monsieur le maire, les produits dont on parle arrivent d'Allemagne aujourd'hui. Donc je ne vous cache pas que ça fait beaucoup de trajets. Et après, ils arrivent à Lyon et ils sont relivrés sur Crawl un par un. Donc beaucoup de transports, beaucoup de risques. Voilà.
Très bien. Oui, bien sûr, Madame Lejeune. Je voulais juste dire que si on a ce débat-là maintenant et qu'on est quand même, on montre une inquiétude notoire, c'est qu'en fait, même si on sourit, il peut y avoir quand même des décisions de prise à un moment T dont on se rend compte après qu'on a pris des très mauvaises décisions, même au niveau mondial. On a vu au moment du Covid que tout à coup, il y avait des choses qui étaient construites et fabriquées à l'autre bout du monde, que non, on ne les construisait plus en France, etc. Donc, c'est normal que quand on a des décisions à prendre de ce genre-là, on se dise qu'est-ce qui se passe au niveau local par rapport au niveau national, par rapport, on parle de Lyon, on parle de, voilà. Donc, si on élargit le débat au mondial, oui, c'est vrai, c'est des vraies questions. Moi, personnellement, ce sujet-là, je le trouve extrêmement technique et évidemment, j'ai zéro compétence pour y répondre. Par contre, l'inquiétude, comme mes collègues ici, elle est réelle. Et voilà, on entend l'histoire des transports, on entend le besoin de stocker quelque part, etc. On vous le dit. Par contre, oui, on peut peut-être pas ramener ça à des sujets simples. Quoi. C'est quand même complexe, donc de prendre une décision là-dessus, oui, c'est normal qu'on en discute. Oui, non, mais j'ai pas de souci. Le débat est élargi. Et j'ai posé déjà un certain nombre d'éléments. Nous n'avons pas forcément toutes les réponses. Quand vous prenez des décisions, alors c'est toujours facile de refaire l'histoire après qu'elle ait été jouée, parce que c'est plus facile d'avoir des éléments. Mais au moment où vous prenez la décision, vous la prenez avec un certain nombre d'éléments. Voilà. Là, on a un certain nombre d'éléments. Donc, on prend cette décision. Peut-être que dans 10 ans, on dira, zut, la ville de Crolles est rasée, on est tous morts et on a fait le mauvais choix. Non, mais je caricature un peu. Mais aujourd'hui, je pense qu'en Europe, on est en capacité, effectivement, d'assurer la sécurité de notre production industrielle. Même si le niveau risque zéro n'existe pas, on est en capacité de le faire. Vous allez dans d'autres pays, on a quand même d'autres problèmes, d'autres plus gros problèmes. Et on ne se pose pas trop de questions. Donc, nous, c'est bien, il faut qu'on se pose des questions. C'est légitime. Et bien évidemment, le maire doit s'assurer de la sécurité de ses populations. Donc, je ne suis pas un inconscient. Et on essaye d'avancer de façon intelligente. Oui, monsieur Rêve, comme ça, tout le monde aura à parler. Non, pas encore, il reste Adelin encore. Ça sera Adelin après. Non, juste pour rappeler, là, on parle d'inquiétude. Bon, après, nous, on est au conseil municipal. Mais je pense que ça serait bien de faire une très, très bonne information sur le pourquoi, du comment, le transport, les choses comme ça, par rapport à la population. Mmh. Parce que nous, on est voilà, 7, on s'inquiète. Donc, je pense que la population à 9000, elle s'inquiète aussi. Quoi. Oui, là, alors. Donc, je pense qu'il ne faut pas les inquiéter, mais je pense qu'il y aura aussi le livret de sécurité qui va changer, qui va évoluer, des choses comme ça. Mais il faut vraiment bien l'expliquer aux gens. Quoi. Non, mais vous avez raison. Après, le premier document qui est le plus complet, c'est vraiment l'enquête publique. C'est le document le plus complet qui vous donne tous les éléments. Donc, vous pouvez le consulter aux heures. Venez à l'accueil de la mairie, regardez quand le commissaire enquêteur est là et quand vous pouvez disposer du document. Mais après, ça n'exclut pas qu'on fasse, parce que de toute façon, dans notre PCS, on a redonné un certain nombre d'éléments sur le risque et le risque industriel. Bon. Donc, peut-être qu'effectivement, on peut très bien réenvisager une communication sur le risque. Et vous avez raison, il faut donner des éléments pour rassurer les gens. Moi, je me souviens de débats ici où j'ai essayé de rassurer les gens. Et au bout d'un moment, j'étais à court d'arguments parce que j'avais donné tous les éléments que je pouvais donner, rationnels, objectifs, scientifiques. Et les gens, pour une partie, pas tous les habitants qui étaient là, mais pour une partie, disaient « Non, mais monsieur le maire, on ne vous croit pas. Bon, » Si on rentre dans le domaine de la croyance, là, on n'est pas bon. Et moi, je ne sais pas faire. Mais par contre, vous avez raison sur le fait d'essayer de donner une information aller un peu digérer, parce que ce sont des choses complexes. Donc, si vous ne rentrez pas directement dans le dossier, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc après, c'est aussi une question de confiance. C'est aussi la confiance qu'on a en nos entreprises.
parce que les gens qui travaillent dans ces entreprises sont les premiers concernés. Donc, je pense que sur ces sujets, c'est tout de suite les comités de site et les salariés qui vont regarder ces sujets-là, parce que ce sont les premiers concernés. Donc, oui, peut-être que Didier veut donner un élément là-dessus. Oui, en fait, je travaille à ST depuis une vingtaine d'années. C'est vrai que pour confirmer, je suis sur le territoire depuis ma naissance. Donc, j'ai vu, un petit peu comme disait monsieur le maire avec son exemple dans le nord de la France. Nous, il y a une trentaine d'années, juste en face, dont je suis originaire à Brignoux, on avait donc toute l'usine des chimies. Je ne sais pas si vous vous rappelez, vous devez être la plupart ici, où c'est qu'on avait les chantournes qui étaient de différentes couleurs. En fait, on avait des différentes odeurs. C'était assez. C'était il y a une trentaine d'années, c'était pas non plus au siècle. Enfin, mais c'était pas non plus il y a 100 ans, quoi, en arrière. C'est vrai qu'on a comparé, comme vous l'avez dit, monsieur le maire, le pays d'origine de mon épouse, qui est la Chine, où c'est que là, les conditions de sécurité et d'environnementaux sont tout autres. Nous, on est monté moi, je m'en suis rendu compte en commençant à El Fatokem en face et puis maintenant à ST Microélectronique, où c'est qu'au niveau de la sécurité, au niveau vraiment environnement, on monte et on se met des objectifs très élevés qui sont là justement pour nous sécuriser, nous conforter. Comme vous le dites, le risque zéro n'existe pas. Mais on est vraiment exigeant sur ce point de vue. Alors bien sûr, on a multiples exemples en tête, vous en aurez toujours, mais on essaye d'être vraiment là-dessus. Ça fait partie de nos objectifs numéro un. Bien sûr, il faut produire, il faut sortir des plaques de silicium, il faut sortir des puces, mais avant tout, au niveau sécurité pour les personnes qui sont sur site et pour l'environnement là-dessus, on essaye et on exige en fait de monter en compétences et de monter en qualité au niveau de l'entreprise d'année en année. Oui, et puis ces sujets qu'on évoque nous ici en tant que représentants des habitants, nous sommes, je le rappelle, des habitants désignés par d'autres habitants. Mais dans l'usine, il y a aussi des gens qui y habitent. Enfin, Didier fait partie de ces gens qui habitent aussi sur site. Et dans les nouveaux ingénieurs, la préoccupation par rapport au risque, par rapport à la condition environnementale, sont des choses qui sont en train de monter dans les consciences. Je veux dire, il y a plus d'attention là-dessus. Donc, ça veut dire que c'est d'autres humains qui, quelque part, assurent et gèrent notre sécurité. Donc, je crois qu'il faut avoir effectivement des éléments de compréhension. On ne les aura jamais tous, sauf à travailler sur le site d'Ectra ou sur le site d'ST. En tant qu'ingénieur sécurité, là, on aura la vision très précise. Mais ça n'empêche pas d'essayer de donner des éléments de compréhension au niveau de notre population. Donc, on va regarder ce qu'on peut porter avec peut-être l'entreprise ST et l'entreprise Ectra sur, en gros, les risques industriels liés au site. Ça permet de faire une piqûre de rappel, parce que c'est vrai que quand on voit fonctionner le site, on n'a pas forcément... il fonctionne, hein. Le principal inconvénient qu'on rencontre, c'est surtout la circulation. Voilà, c'est ce qu'on... Non, mais je le dis parce que c'est un peu trivial. On est plutôt interpellé sur le problème de circulation lié aux employés plutôt que sur le risque, sur le risque toxique. Donc, on refera un 2 pages ou 3 pages dans le bulletin municipal, peut-être à la rentrée. Enfin, il faut voir, parce qu'il faut faire un dossier un petit peu construit sur ces choses-là. Juste pour ajouter une autre question concernant l'enquête publique. Peut-être que j'ai raté ou je ne connais pas du tout la procédure de l'enquête publique faite par le préfet. Comment les gens sont informés qu'une enquête publique existe ? Alors, ils l'ont été, je voudrais aussi vous répondre une fois que le préfet aura donné son accord, s'il le donne, on aura obligation de modifier notre plan communal de sauvegarde et le DICRIM. DICRIM, document d'information, voilà. Après, oui, ça a été communiqué qu'il y a... Oui. Oui, c'est sur le site de la ville. On a une obligation d'affichage aussi, donc papier. Qui est plus trivial, c'est sur le site de la ville. Après, c'est sur le site de la préfecture aussi. Donc, on n'a pas distribué un flyer dans toutes les boîtes aux lettres pour dire, tiens, il y a une enquête publique. Donc,
si la question c'est ça, oui, c'est présent sur le site de la ville. Les gens m'entendent, s'ils suivent le conseil municipal, ils auront l'information. Je pense que le Dauphiné libéré relaiera également l'information. Donc, ça veut dire que les canaux, on a mobilisé un certain nombre de canaux. On aura mobilisé, en tout cas à la fin de ce conseil municipal, un certain nombre de canaux pour que les gens puissent se présenter. Mais vous savez, sur des choses qui sont pas immédiates, je l'ai constaté avec le PLU, on voit bien qu'on a parfois du mal à mobiliser les gens. C'est-à-dire que c'est pas immédiat. Oui, mais bon, après, c'est le problème, c'est qu'il faut que la personne fasse l'effort. Et aujourd'hui, voilà. Non, mais je suis d'accord. Donc, c'est pour ça qu'on va... utiliser, quoi, pour essayer de l'informer au maximum. C'est pour ça que l'information est diffusée déjà au niveau de la commune. Et j'espère que le Dauphiné libéré relaiera nos débats. Je ne doute pas, parce que c'est quand même un sujet d'importance. Je viens juste d'informer mon collègue que c'était indiqué dans le journal municipal qu'il n'a pas encore reçu. Merci pour cette information. Voilà. Mais... Donc, lisez le journal municipal, vous avez aussi de très bonnes informations, mais lisez aussi le Dauphiné libéré, il y a aussi de très bonnes informations. J'en profite juste pour dire qu'on est en ce moment beaucoup interpellés par des Crolois par rapport à des craintes sur l'eau, par rapport à l'agrandissement de la zone justement industrielle au niveau d'Asté, etc. Et il y a des rumeurs qui circulent donc, sur l'eau. Donc je pense que ce serait important de communiquer aussi là-dessus, sur l'eau qui serait l'eau qu'on boit actuellement au robinet, qui serait en priorité délivrée à l'industrie. Voilà, donc je pense que ce serait important de communiquer là-dessus. Très bien. Là, je ne peux pas m'avancer sur le sujet. Moi, je défends l'eau du Sierg qui est venue et qui vient jusqu'à Crolles. Je sais que la communauté de communes a une réflexion sur ces sujets-là. Elle n'est pas complètement aboutie. Je pense que normalement, le renouvellement de la canalisation devrait permettre de ne pas faire appel à d'autres sources d'arrivée d'eau sur ST. Mais de toute façon, l'ensemble des Crolois auront de toute façon de l'eau à leur robinet, quoi qu'il en soit, et de l'eau potable. Très bien. Débat riche et intéressant. Je vous propose de passer au vote sur cet avis favorable avec réserve. Les réserves qui ont été émises, notamment d'études complémentaires pour les phénomènes de dispersion, l'inscription effectivement à Vigicru, et puis également, bien évidemment, s'assurer que la réunion de suivi annuelle mise en place par le préfet est bien suivie. Propose au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? 7 abstentions. Non, 5. 6. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 abstentions. Je vous remercie. La suite. Alors, la suite. Avis de la commune, demande d'institution de servitude d'utilité publique autour de l'installation. Voilà, donc et en complément de la première délibération. Donc, vu le rapport de l'inspection des installations classées de la Direction régionale de l'environnement et de l'aménagement du logement de la DREAL, en date du 22 décembre 22, vu l'arrêté préfectoral du 23 janvier 23 informant de la tenue d'une enquête publique du 13 au 28 mars, vu l'arrêté préfectoral de 19 janvier 23 fixant le projet de périmètre et des servitudes d'utilité publique, vu l'arrêté du l'article 7 disposant que les conseils municipaux impactés par le projet de la société Ectra, dont celui de Crolles, sont appelés à formuler un avis motivé sur la requête de la société Ectra, dès l'ouverture de l'enquête et au plus tard dans les 15 jours suivants la clôture du registre. Je suis bien sur la bonne page. Oui, c'est ça.
Considérant que les installations exploitées par la société Extra Acrol conduisent à l'établissement à être classé sous le régime de l'autorisation Seveso seuil haut au titre de la nomenclature des installations classées par la protection de l'environnement, considérant que les installations exploitées par la société Extra sont susceptibles de créer des risques pour la sécurité des populations voisines, considérant dès lors que les servitudes d'utilité publique prévues du Code de l'environnement peuvent être institués en tenant compte de la probabilité et de l'intensité des aléas technologiques, considérant la note de synthèse joint au projet de délibération. Je vous expose la demande d'institution des servitudes d'utilité publique ainsi que l'étude de danger. Il présente également les périmètres de servitude présentés par la société Extra à la préfecture de l'Isère le 21 septembre 22. Monsieur le maire propose au conseil municipal d'émettre un avis favorable sur la demande d'institution de servitude d'utilité publique autour de l'installation. Donc, vous avez quelques photos qui montrent, alors en, le carré blanc, c'est la société Extra, de mémoire. Et il y en a une autre, voilà un rond, donc ce sera la servitude qui est tout autour de la société Extra. Très bien, c'est un peu la délibération corollaire de l'avis favorable qu'on a rendu sur effectivement les activités de la société Extra et le passage en Seveso seuil haut. Donc, je pense qu'on a déjà répondu à un certain nombre de questions. Là, ça définit un périmètre de servitude qui vient en complément. De servitude et d'interdiction, par exemple, dans le rond en bleu, on n'aura pas le droit de construire un hôpital, une crèche, une maison de retraite, une école, etc. Bien. Je propose, s'il n'y a pas d'autres questions, de passer au vote de cette délibération. Périmètre de servitude publique. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc, 6 abstentions. Je vous remercie. Serge Pommelet est où ? Il n'est pas loin. Oui. Bien, c'est pas tout. Au travail, monsieur Serge Pommelet. Donc, sur le débat d'orientation budgétaire. Donc, je pense que monsieur Pommelet donnera quelques éléments de contexte globaux pour rentrer ensuite sur la situation financière de Crawl et puis les orientations que nous allons prendre pour l'année à venir. Je rappelle que, bien évidemment, on réfléchit, vous aurez dans le document ce qu'on appelle le plan pluriannuel d'investissement, parce que, bien évidemment, tout n'est pas inscrit, tout ce que nous avions inscrit dans notre programme en 2020 n'est pas décliné, bien évidemment, en une à deux années et s'étale sur l'exercice d'un mandat, c'est-à-dire jusqu'en 2026. Et c'est le plan pluriannuel d'investissement qui décline un petit peu l'organisation de ces investissements. Bien, merci Monsieur le maire. Alors effectivement, on est ce soir dans le processus de réalisation du budget. Donc je tenais déjà particulièrement à remercier les services. En premier, le service finance qui a fait tout ce travail, puisque la construction budgétaire commence à peu près en septembre, pour se terminer normalement à la fin mars, lorsque le budget sera définitivement voté. Donc, durant tous ces mois, il y a un fort travail des services. Alors, le service finance en premier, puisque c'est eux qui mènent la danse et qui rédigent l'ensemble des documents, des tableaux, tous les documents que vous avez eus. Mais également, cette année, comme les autres, l'ensemble des services, parce qu'il y a eu un gros travail de fait. On est dans une année un petit peu compliquée en termes de prospective, hein, où on va en parler, mais
tout le monde est quand même au courant du contexte actuel. C'est pas évident de projeter les finances d'une commune, d'une EPCI, de quoi que ce soit aujourd'hui avec l'inflation et les coûts de l'énergie. Donc, il y a eu on a demandé un gros travail au niveau des services pour limiter au maximum les augmentations des différents coûts. Et même si le challenge n'a pas été à la hauteur de ce qu'attendait le conseiller délégué aux finances, puisqu'il avait donné un objectif important, mais quand on vise la Lune, on atterrit au moins dans les étoiles. Donc, on est quand même arrivé à un très bon chiffre, puisqu'on a quand même limité les hausses sur l'ensemble des coûts et des charges. Et je voulais remercier l'ensemble des services là-dessus. Donc, on va voir plus en détail ces éléments. Donc, je le disais, le DOB est une étape obligatoire dans le cycle budgétaire, hein, sur des communes de plus de 3500 habitants. L'objectif de ce DOB, c'est d'échanger, bien sûr, sur les orientations budgétaires que la majorité va vous proposer, mais c'est également aussi de vous informer, tous les conseillers présents ce soir et les personnes qui nous regardent, de la situation financière de la collectivité. Donc, c'est quand même important de savoir comment la collectivité va au niveau finances. Et on parlera également de la structure et de la gestion de la dette. Donc, c'est un débat qui est obligatoire. Alors, on en prendra acte par la tenue du débat ce soir lors de ce conseil municipal. Il n'y a pas de vote. Hein, on n'est pas là pour dire on est d'accord, pas d'accord. En échange, on ne sera pas forcément d'accord tous sur ce qui va être annoncé, mais voilà, l'idée est d'échanger. Alors, je vais quand même vous faire un bref rappel du contexte. Alors, vous avez dans le document quand même plus de chiffres et de détails. Alors, le contexte, bah, tout le monde le connaît, tout le monde le vit, surtout aujourd'hui. Hein, un contexte à la fois géopolitique, incertain, alors lié, entre autres, à l'après-Covid, au reste de Covid qu'il peut y avoir sur certains pays qui tend la fabrication de produits de haute technologie à l'échelon mondial. J'en ai un exemple, hein, des chariots élévateurs, qui est pourtant un élément basique dans l'industrie. Il faut 54 semaines aujourd'hui pour avoir un chariot élévateur. Pourquoi ? Parce qu'il manque les puces qui vont dans les écrans, puisque maintenant, même les chariots élévateurs ont de l'informatique et de l'électronique embarquée. Les chariots sont construits, mais il manque les puces pour mettre dans les écrans et toutes les commandes assistées. Donc aujourd'hui, on est face à cela. On a un contexte géopolitique européen qui n'est pas simple avec le conflit en Ukraine. Hein, face à cela, ben, on a une inflation importante. Alors, l'État, les politiques aujourd'hui sont un peu essayent de relativiser les choses, alors que les distributeurs sont moins optimistes. Mais aujourd'hui, l'inflation devrait se situer à 4,2%. Elle a été à 7,1% en 2022. Ça reste quand même un chiffre élevé. Et effectivement, on a aussi une inflation sur les coûts de l'énergie. Alors, je pense que tout le monde le vit au quotidien. Alors, même si les particuliers bénéficient de boucliers énergétiques, les collectivités aussi ont des dispositifs nouveaux qui ont été mis en place récemment pour limiter l'impact. Dans les industries, ce n'est pas forcément le cas. La presse nous relève quand même les problèmes des PME, TPE, entre autres, les produits de bouche, hein, les boulangeries, les boucheries, tous ces secteurs-là, qui sont en grande difficulté. Donc, c'est un contexte qui n'est pas évident, qui n'est pas simple à projeter en termes de finances publiques, mais on est quand même obligé de faire l'exercice. On a aussi un déficit public qui est proche de moins 5% du PIB, qui va rester à peu près constant entre 2022 et 2023. Alors, malgré cela, les collectivités locales restent fragilisées par ce contexte, malgré quand même un soutien financier de l'État, c'est 4,1 milliards d'euros par an, une augmentation de la DGF, qui est la dotation globale de fonctionnement au sein des concours financiers, des dotations de péréquation qui sont en augmentation, donc la DSR, la DSU, hein, la dotation solidarité rurale et solidarité urbaine, des mesures de compensation du coût énergétique de l'inflation, les filets sécurité, boucliers énergétiques, amortisseurs, etc. Donc, par rapport à l'ensemble de ce contexte, ben, on a quand même dû faire des choix, définir des axes de stratégie budgétaire que l'on en a rappelé pour le mandat, mais on s'y tient.
Aujourd'hui, on souhaite privilégier les marges de manœuvre existantes grâce à une maîtrise des charges de fonctionnement. Donc, j'en ai parlé tout en préambule. Le gros travail que les services ont fait, qui n'est pas de cette année, c'est un travail qui avait déjà été mené par Françoise sous le mandat précédent, qu'on continue au quotidien. Maintien du niveau des recettes suffisant. Alors effectivement, on a une chance quand même, c'est qu'on a un secteur aujourd'hui qui est relativement dynamique, qui est dynamique à la fois sur la construction de logements particuliers, mais à la fois au niveau industriel. Donc on a quand même une projection de recettes de ce côté-là qui est intéressante à court et moyen terme. On souhaite continuer à dégager une capacité d'investissement suffisante pour assurer la maintenance des infrastructures et du matériel. Donc, c'est les 800 000 euros par an d'épargne nette qu'on souhaite mettre comme vraiment le minima. Alors ça, c'est important puisque la commune dispose de beaucoup d'infrastructures qui sont très utilisées par les associations et par forcément les habitants. Donc, on souhaite maintenir un bon niveau de service sur l'ensemble de ces infrastructures. Pour cela, il faut dégager au minimum cette épargne nette. On continue à prioriser les investissements et privilégier ceux qui visent à réduire les charges de fonctionnement. Donc, petit à petit, on rentre dans la gymnastique de dire quand on fait un investissement, on essaye en même temps de définir le coût qu'il aura à court terme et à moyen terme sur les charges de fonctionnement. C'est important puisqu'on a dit qu'on voulait les maîtriser. On ne souhaite pas accroître la fiscalité des ménages. Donc, le travail est fait au niveau de la collectivité pour ne pas impacter la fiscalité des ménages, parce que les ménages aujourd'hui, on en a parlé, il y a l'inflation des denrées alimentaires, il y a les coûts de l'énergie, il y a ces points-là. Ceci dit, et je le précise, la fiscalité des ménages augmente. Elle augmente de façon organique par l'augmentation des bases de fiscalité qui, cette année, devrait augmenter de 7,1%. Voilà. Mais ce ne sont pas les taux communaux qui restent, eux, au même niveau que les années précédentes. Alors, certaines communes ont fait le choix discutable, surtout qu'il est mal justifié, d'augmenter de plus de 25% leur taux de collectivité. Ce n'est pas le cas à Crol. On maintient les services, on maintient la qualité de service, on maintient nos infrastructures, on n'augmente pas la fiscalité des ménages. Et on continue à recourir à l'emprunt si nécessaire, mais en maîtrisant un niveau d'endettement inférieur à 10%. C'est un point important parce qu'un gros investissement a été fait l'année dernière, mais c'est un investissement qui s'auto-alimente, puisque c'est un investissement avec des loyers immobiliers qui ont pris figure en face. Donc, vous le verrez dans les comptes, il y a un accroissement des recettes organiques parce qu'effectivement, il y a une mise en loyer complète sur l'année 2023 qui n'était pas sur l'année 2022. Ça, ce sont des endettements intelligents et utiles puisqu'ils préparent la ville de demain. Ils permettent à la ville de garder des capacités d'adaptation, des capacités de reconstruction sur l'existant que nous ferons pas sans doute sur ce mandat. Je ne pense pas qu'en 3 ans, on arrivera à faire quelque chose là, qui seront peut-être faits dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Mais effectivement, on se projette aussi sur l'avenir de la commune et sur les équipes qui demain dirigeront cette collectivité. Mais on reste en dessous des 10%. Alors, pour élaborer un budget, il faut élaborer une prospective. Une prospective, c'est on va projeter avec les critères qu'on a définis quelles seront les recettes et les dépenses prévisibles. On rentrera après un peu plus dans le détail des dépenses et là, je pense qu'on sera amené à échanger. Mais les recettes de fonctionnement, alors elles sont sur la partie budget de fonctionnement, les recettes. Je l'ai dit, pas d'augmentation des taux d'impôts locaux votés par la commune. Une augmentation qui va augmenter par la revalorisation forfaitaire des bases locatives, qui est une décision de l'État, et par un accroissement physique des bases, effectivement. Plus des surfaces sont urbanisées, se mettent en location, les travaux s'achèvent et on rentre dans la fiscalité. Alors, on rentre avec un décalage, parce que quand on met en achèvement les travaux, c'est que l'année d'après qu'on va retrouver en fiscalité les bases complètes sur ces immeubles. C'est vrai pour les habitations, donc tout ce qui est
logements qu'on peut voir construire dans le bas de la commune, mais c'est également vrai pour les entreprises. Et entre autres, on nous sollicite souvent pour nous dire « Oui, mais STX, ça grandit. » Oui, mais aujourd'hui, sans travaux, ce n'est pas considéré comme achevé parce qu'il y a un permis de construire qui a donné la possibilité de construire jusqu'à une certaine tranche. C'est qu'à l'aboutissement de ces travaux-là qu'on rentrera dans la fiscalité. Donc, ce n'est pas immédiat, mais effectivement, c'est à moyen terme sur, je pense, plutôt la fin du mandat. Mais voilà, on va quand même augmenter en termes de fiscalité, ce qui montre le dynamisme, effectivement, de la construction sur la commune. Alors après, les montagnes et l'Isère ne sont pas non plus déplaçables. Donc, il y a un moment donné, ça va être compliqué. Nous sommes partis sur une attribution de compensation. Donc ça, c'est ce que la communauté de communes reverse à la commune. On l'a considéré comme constante. Aujourd'hui, c'est le cas depuis quelques années. Donc, dans la prospective, on anticipe pas, on ne prend pas de risque ni à la baisse ni à la hausse, on la met constante. La DCS, c'est une nouvelle recette. C'est une dotation communautaire que la communauté de communes aussi verse à la commune. Elle est à peu près de 82 000 euros sur 2023. Et effectivement, c'est un dispositif nouveau de soutien de la Comcom qui a été mis en place. Alors, la DCRTP, le FNGIR, qui sont des dotations d'État. Alors, ça, c'est la ligne qu'on laisse constant, mais on ne sait pas trop. Parce qu'effectivement, c'est le levier que l'État a pour récupérer un peu d'argent au sein des collectivités, que ce soit collectivité locale ou EPCI ou autre. Donc, c'est une ligne qu'on laisse constant, qui peut évoluer à la baisse sur les recettes. Et on a le même principe dans les dépenses. Et plutôt, les dépenses peuvent augmenter, les recettes diminuer. Mais pour l'instant, dans la prospective, on le laisse constant. Ce n'est pas non plus des sommes qui sont faramineuses, mais c'est quand même important. Les autres recettes, on est en légère augmentation, effectivement. Alors, les autres recettes, c'est principalement les loyers commerciaux des différents bâtiments que la commune met en location. Et effectivement, je le disais, en 2023, on a une augmentation des recettes parce qu'effectivement, on a les loyers de ce qu'on appelle l'espace commercial Beldon, hein, qui est le lot où il y a Monsieur Bricolage qui a été racheté l'année dernière. Et là, sur 2023, on aura la totalité des loyers. Et après, on est à peu près constant. Sauf si il y a d'autres projets qui viennent se rajouter. Ça, c'est les bases sur les recettes. Sur les dépenses, les charges de personnel, on les maîtrise à 0,9% pour 2023, qui correspond à une hausse classique des indices des différents agents et éventuellement d'évolution dans des fonctions, dans des grades. Et après, on a mis une prospective à 1,5% 2024. Alors, je dis toujours, 2023, on est à peu près sûr de ce qu'on fait, et heureusement, puisqu'on y arrive. 2024, on a une bonne idée. Après, 2025-2026, c'est quand même beaucoup plus hasardeux, mais il faut projeter quand même ça sur le mandat, donc l'exercice a été fait. Les charges de fonctionnement des services sont en augmentation importante du fait des dépenses d'énergie, puis en diminution en 2024 parce qu'on espère une détente graduelle de tension. Alors, ce qui est important quand même, pour avoir un budget honnête et sincère, on a estimé à peu près l'énergie à plus 580 000 euros par an par rapport à ce qu'on avait. C'est presque le double. Alors, on observe aujourd'hui que ça sera peut-être une bonne surprise en milieu ou fin d'année si les chiffres d'aujourd'hui restent. Pour l'instant, on a préféré les mettre à ce niveau-là pour ne pas avoir de surprises trop importantes, comme on avait pu avoir en 2022 avec une DM importante, puisqu'effectivement, le coût n'était pas maîtrisable lorsqu'on avait réalisé le budget. Sur l'inflation des produits, c'est pareil, on a une augmentation d'à peu près 100 000 euros, principalement sur les denrées alimentaires de la cuisine centrale, puisque c'est un point positif. On travaille beaucoup les produits frais, mais effectivement, ces produits-là ont tendance à augmenter plus que d'autres produits, et c'est ce qui impacte quand même le budget. Donc voilà, le FPIC, j'en parlais, c'est un fonds de péréquation intercommunale qui est prélevé, il peut augmenter, on l'a mis constant, incertain, mais on l'a mis constant. Et pareil pour la contribution au redressement des comptes publics, vu que les comptes publics ne vont pas forcément bien, ça reste constant, mais incertain, vous avez compris. Hein, c'est ce qu'on maîtrise, moins. Sur les investissements, alors on part sur une hypothèse de dépense à 100%. Alors,
un petit chiffre pour, qui fait plaisir quand même. On a, je crois, un taux de réalisation de 87%. Hein, ce qui est quand même, alors je ne me souviens pas qu'on soit à ce chiffre-là lorsqu'on a débuté ce mandat. On était presque à moitié moins. Donc c'est important parce que ça responsabilise les services, mais surtout les élus, puisque ce n'est pas la peine de mettre des tonnes d'investissements si on n'a pas la capacité technique et en temps de les faire et de les sortir. Donc c'est plutôt intéressant ce tour. Alors il y a toujours forcément des reports, des choses qui ne se font pas. Je le disais, pour un chariot élévateur, il faut 50 semaines. Donc vous voyez, ça fait quasiment plus d'une année. Donc forcément, il y a des choses qui se décalent, mais 87%, c'est un très très bon chiffre. Voilà, c'est pour les dépenses. Les recettes, on recourt à la déconsignation. Je rappelle, nous avons 4,9 millions d'euros qui sont consignés à la CDC, Caisse des dépôts et consignations, qui sont d'anciens emprunts qui avaient été faits pour la fameuse déviation. Oui, hein. Mais c'est important de le rappeler parce qu'aujourd'hui, ces fonds et cet emprunt qui avait été mobilisé à l'époque pour la déviation a été réorienté par les équipes menées par François Bottre à l'époque sur de l'amélioration énergétique. Donc, c'est-à-dire que on n'a pas attendu. On n'a pas attendu ceux qui disent aujourd'hui qu'il faut s'inquiéter. La collectivité avait déjà pris en compte et avait réorienté ses budgets. Ils avaient orienté sur l'amélioration énergétique des bâtiments publics, mais aussi la rénovation énergétique et accompagner la rénovation énergétique des logements sociaux. Donc, et on est toujours d'ailleurs aujourd'hui dans cette dynamique. On le verra effectivement sur les investissements projetés. Nous n'avons pas... donc, on déconsigne à hauteur de 2,9 millions cette année. Il restera donc 2 millions en consignation pour éventuellement l'année prochaine ou la fin de mandat s'il y a des projets qui rentrent dans ce cadre. Nous n'avons pas prévu de recettes foncières entre 2024 et 2026. Alors, pour vous détendre un peu, on vous a mis 2-3 graphiques. Voilà, magnifique. Le graphique du haut, recettes réelles de fonctionnement, dépenses réelles de fonctionnement. Donc, on voit effectivement une progression sur l'année 2023 par rapport aux différents éléments dont je vous ai fait part. Et puis après, on est à peu près constant, on monte légèrement sur les recettes et on stagne à peu près constant sur les dépenses réelles de fonctionnement. Voilà, alors c'est, je le redis, projection 2023-2024, on est à peu près bon. 2025-2026, il peut se passer beaucoup de choses. En dessous, l'épargne nette, on en parlait tout à l'heure, c'est 800 000 euros, c'est le minimum qu'on se met aujourd'hui à l'heure actuelle avec les équipements que nous avons. On termine 2022, on a à 1 million, on va être à 1 million 2, 1 million 3 2023 pour aller jusqu'à une projection à 2 million 4 en fin de mandat en 2026. Donc on est, on le voit avec ces deux graphiques quand même, sur une situation relativement saine en termes de face à nos engagements sur l'épargne nette. Oui, et puis c'est prendre en considération les équipes qui viendront après 2026. Tout à fait. Il faut leur laisser des marges de manœuvre parce qu'on pourrait brûler la chandelle par les deux bouts et puis ne laisser que des emprunts, des dettes et pas de capacité à agir aux équipes qui viendraient derrière nous. En effet. On a encore des graphiques, hein, parce que je vois que vous êtes très attentifs et vous aimez les graphiques. Alors, on va parler de la dette. Hein. Donc, la dette, c'est quand même un point important. On le répète, la maîtrise de la dette à 10%. On est dans les clous, 9,8% 2023. On va baisser, forcément, on baisse au niveau de la dette si on ne crée pas de nouvelles dettes, parce qu'on a des emprunts qui s'éteignent. Avec une projection à fin de mandat à 2026 à 6,4, ce qui laisse une marge de manœuvre sur la fin de mandat s'il y a des besoins et effectivement, comme tu l'as dit Philippe, sur le mandat suivant, voilà, on laissera une dette à 6,4 projetée aujourd'hui. Et donc forcément, la capacité de désendettement en année, elle a la même évolution. On est aujourd'hui à 4,4 pour finir en 2026 à 2,8. Là, c'est l'ensemble de ce que j'ai dit repris en chiffres.
Donc là, vous avez les grandes masses des différents points. Toujours pareil, hein, au-dessus, le budget de fonctionnement. En dessous, le budget d'investissement. À gauche, les recettes. À droite, les dépenses. Donc les recettes de fonctionnement, la fiscalité, 15,4 millions, dont TF, allocation compensatrice, 6,7 millions. Ce qui est important de noter sur ce point-là, on a 54% de la ressource fiscale qui est des entreprises, qui vient des entreprises. Donc, on peut fustiger les entreprises à longueur de journée. Elles rapportent quand même à cette commune presque un peu plus de 3 millions et quelques. Hein. Les particuliers et les ménages, c'est 46%. Hein, c'est un peu moins de la moitié, donc un équilibre. On imagine bien que des communes sans industrie, sans entreprise, ben, ce n'est pas du tout la même confiture. L'AC et la DSC, donc 7 millions, j'en ai dit, hein, 6 millions 9 pour l'AC, et on rajoute un petit bout avec la DSC, la nouvelle contribution de la communauté de communes, qui est bonne à prendre. Hein. FNGIR, DRCTP, 1,3 million d'euros, c'est quand même une masse non négligeable. Les droits de mutation, ce sont les ventes, c'est les droits sur les ventes immobilières, 400 000 euros par an projetés. Je ne pense pas que tout le monde va vendre sa maison à Crolles l'année prochaine. Voilà, subventions, dotations, produits des services et autres recettes, donc j'en ai parlé, c'est les locations et la contribution des familles aux différents coûts, cantines, etc. C'est 2,6 millions. Voilà, donc ça nous fait un total de 18 millions, ramené avec l'excédent de fonctionnement de 2022 qui est provisoire parce qu'on n'a pas encore le compte administratif, mais qui devrait être sur la lignée puisque les comptes sont à peu près bien tenus, hein, à 20,9 millions d'euros. Je dis 20 parce que je viens de l'Est de la France. Hein. Voilà, les dépenses de fonctionnement, parce que bon, on a des recettes, mais on a des dépenses. 8,6 millions pour le personnel. Point important, ratio, il y a des ratios qui existent dans les collectivités pour évaluer, pour comparer les collectivités. On a un ratio charge de personnel sur DRF, c'est les dépenses réelles de fonctionnement, qui est de 56%. Sur nos strates, on est plus proche des 47%. Donc, c'est quand même à noter, à surveiller. Hein, c'est un point qu'il faut maîtriser. C'est une part importante de nos dépenses. Attention, c'est normal, on n'a pas rien sans rien. On n'a pas des services à la population comme on a aujourd'hui. On n'a pas une relative propreté et l'entretien comme on a aujourd'hui des espaces verts si on n'a pas de personnel. Hein. Donc, hein, on peut dire c'est trop, mais il faut savoir ce qu'on veut. Les autres charges, 5,8 millions. Donc, c'est là où, effectivement, il y a eu un gros travail de maîtrise de ces charges. Et c'est là où pèsent, effectivement, les 600, presque 700 000 euros d'augmentation entre l'électricité et l'inflation. Donc voilà, ça fait un gros volume sur... Sans cette inflation et cette énergie, on aurait eu un coût élevé de 1,5%. On aurait maîtrisé l'augmentation des charges. Mais l'électricité nous a fait dépasser. Le FPIC, 400 000 euros. La contribution à l'effort de redressement, 160 000 euros. Les intérêts de la dette, 380 000 euros. Un total de dépenses de 15,3 millions d'euros. Avec le prélèvement global qu'on ramène, je vous rappelle l'exercice, hein, le prélèvement global qui est pris sur la section de fonctionnement va sur la section d'investissement en recettes de 5,6 millions qui nous permet d'équilibrer avec les recettes de fonctionnement à 20,9 millions d'euros. Avez-vous des questions sur le budget de fonctionnement ? Non ? Alors on continue, vous êtes en forme ? L'investissement, hein, je pense que là, ça va attiser la curiosité. Qu'est-ce qu'on va faire en 2023 ? Plein de choses. Déjà, on va faire des recettes. Donc, FCTVA, TA, subvention, 2,8 millions. Alors là, c'est un poste qui évolue beaucoup puisqu'il y a des subventions à l'intérieur qui dépendent des programmes et des éléments qui permettent d'avoir des subventions. Donc là, il y a encore des subventions. On va essayer de porter des projets, et vous en parlez tout à l'heure, il y a des éléments qui sont subventionnables par la région, par le département, etc. La recherche des subventions est un de nos points majeurs dans la construction budgétaire. Hein, c'est un point important qu'on surveille. Les cessions, alors c'est des restants, hein, c'est la cession toujours de la résidence senior, le terrain de la résidence senior. Hein.
qui est reporté parce qu'il était prévu en 2022, mais il est reporté. Le prélèvement donc, qui vient de la section de fonctionnement pour 5,6 millions d'euros. 5,6. La déconsignation, j'en parlais tout à l'heure, 2,9 millions. Avec l'affectation provisoire du résultat de fonctionnement de 3,6 millions, ça nous fait un équilibre à 16,2 millions d'euros. Ne me posez pas de questions sur l'affectation provisoire du résultat de fonctionnement, parce que c'est relativement complexe à vous expliquer, puisque ça prend en compte les restes à réaliser dans les recettes, dans les investissements. C'est un calcul comptable que l'on fait pour équilibrer. Mais moi, je connais pas trop ça, donc je ne m'y risque pas. Mais voilà, les dépenses d'investissement. Remboursement du capital des dettes de la caution pour 1,4 million. Ben oui, il faut payer nos dettes. Hein. Ce n'est pas le tout emprunté, il faut payer. Donc, ça pèse directement dans le budget d'investissement. Et ça nous laisse effectivement une marge, entre guillemets, de 11,3 millions pour financer l'ensemble des projets et investissements que nous avons, dont les APCP. Hein, je le rappelle, ça, c'est un point important de la PPI. 3,8 millions. La maintenance patrimoine matériel, c'est les 1,3 millions que l'on prend sur l'épargne nette. Et les travaux et acquisitions pour 6,2 millions. Avec le résultat provisoire, ça nous équilibre, le tout à 16,2 millions d'euros. Avez-vous des questions sur le compte d'investissement ? Les APCP, c'est les projets. C'est dans la PPI, vous avez un tableau, je crois, dans le c'est les engagements pluriannuels, en fait, qui sont par projet, par exemple, la rénovation énergétique, on met des budgets, la cuisine, elle a été budgétisée sur plusieurs années. Donc, c'est un des pavés de la PPI qui nous engage, en fait. Hein. Donc, c'est le point qu'on détache, qui est le point prioritaire des engagements. Après, il y a les MP, ça, c'est pour la maintenance du patrimoine. Puis après, ce qui reste, ben, c'est les projets, nouveaux projets, etc. Donc, justement, ben, on va rentrer dans le vif du sujet. Les investissements. Alors, en préambule, en termes d'investissement, je le dis parce que sur les 11,3 millions d'euros d'investissement, sur 2023, on a presque 5 millions d'euros qui sont dédiés à l'amélioration énergétique et la partie environnement. Donc, on est un peu moins de la moitié du volume global investi. Bon, ça, c'est juste explicatif des maîtrises d'évolution des coûts. Donc ça, il n'y a pas, je ne sais pas si vous l'avez regardé, mais c'est exactement ce que je vous ai dit verbalement avec le tableau, maîtrise de l'inflation, etc. Voilà. Si, un petit point important là, c'est les subventions. Les subventions, oui. Alors, on revendique cette majorité d'avoir remis un petit peu d'ordre dans les subventions des différentes associations. Puisqu'effectivement, ben, tout le monde doit faire des efforts. Certaines associations avaient quand même thésaurisé beaucoup d'argent. Donc, on a remis un peu des règles qui ont été discutées avec les associations. Hein, ça a été fait dans la concertation. Voilà. J'ai dit le mot. J'aime pas du tout ce mot, mais je l'ai dit quand même. on a quand même une enveloppe finale de subvention de 920 000 euros. Hein, donc, c'est pas rien. Hors CCAS, hors école, en sachant que le CCAS est une subvention que l'on n'a pas touchée en termes de volumétrie à 23 330 euros et les écoles, c'est 25 565 euros. Donc, tout mouillé, ça fait 980 000 euros de subvention globale. Voilà, donc c'est un petit point de précision que je souhaitais vous apporter par rapport au document. Maintenant, sur les investissements, donc je parlais effectivement des 5 millions sur les 11,3 millions qui sont liés à l'amélioration énergétique et l'environnement. Donc, on poursuit effectivement l'amélioration énergétique des bâtiments communaux. L'éclairage public, on a doublé l'engagement, on était à 100 000 euros, on passe à 200 000 euros. Alors, les mauvaises langues diront pourquoi pas 300, pourquoi pas 400, pourquoi pas 500, pourquoi pas 600. Bon, déjà, ça fait beaucoup. Et puis, deuxièmement, c'est parce qu'on n'a pas la capacité de suivre un plan aussi ambitieux. On peut être ambitieux, mais je le disais tout à l'heure, ce n'est pas la peine de mettre 400 000 euros de rénovation au niveau de l'éclairage et qu'au final, constater qu'on n'a pu faire que même pas 200 000 euros à la fin de l'année. Donc, 200 000 euros, c'est un objectif que les services et les prestataires qui nous accompagnent dans ce travail-là peuvent tenir. Et donc, c'est très raisonnable d'aller là-dessus.
Donc, on a toujours le contrat de performance énergétique qui est mis en place pour la rénovation de Clapis-Belledonne, la reprise des réseaux de chauffage de la mairie. On poursuit le renouvellement du parc de véhicules avec des remplacements par des véhicules propres. C'est presque 500 000 euros par an. L'aménagement de l'espace public, c'est quand même la création des 1 hectare sur l'aménagement du parc. La reprise de l'aire de jeu, la création d'une aire de jeu inclusive. Donc ça, c'est aussi un point important quand même, ça en fait partie. Le réaménagement des anciens terrains de pétanque et l'opération planter un arbre. Eric en a parlé tout à l'heure. Et presque 200 000 euros qui sont mis en 2023 sur le déplacement d'eau, sur toute la partie déplacement d'eau. Donc c'est quand même un gros pavé des investissements que nous allons faire. Le reste des investissements prévus concerne la fin de la construction de la cuisine, on y est encore sur cette cuisine, la suite de l'accessibilité des bâtiments, des espaces publics, ça c'est un peu des choses obligatoires qu'on a d'ailleurs dans la PCP, hein. La suite de la sécurisation des bâtiments communaux également, vous avez vu avec toutes les gages de sécurité qui sont mis en place. Il faut aussi qu'on préserve notre patrimoine, hein. Il n'y a pas que l'entretien, il faut aussi le préserver de risques, de choses comme ça. Les équipements sportifs, 1 million pour la couverture des terrains de tennis. Non, c'est 856 000 les terrains de tennis. Hein. Les 1 million, c'est le global. La réfection des toitures Guibolès, réfection des terrains de foot. Serge. Oui. Les questions, on les pose à la fin ou... Oui, comme tu veux. Là, c'était pour les terrains de tennis, pour savoir. Je peux boire un coup comme ça. Ouais. Voilà. D'ivoire. Ouais, pour le terrain de tennis, ça revient donc aujourd'hui à 800 000 euros. Il y a toujours la réfection des deux autres terrains dedans, c'est ça? En effet. Hein, alors, on peut en parler deux minutes. Effectivement, les terrains de tennis, on avait lancé initialement un appel d'offres, un appel à projet, enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle. Bref, on avait budgétisé, on s'est retrouvé à exploser complètement les budgets. On a décidé d'arrêter, de repartir à zéro, de se dire on ne va pas engager cette somme-là. Donc, on a revu le projet, on a revu d'autres solutions, d'autres entreprises. Effectivement, on redescend sur un budget à peu près comme initialement annoncé de 800 000 euros avec la réfection des terrains aussi comme prévu. D'accord. Et on avait parlé de pénalités aussi, donc elles sont combien aujourd'hui? Oh, je ne sais pas du tout. Pénalité de... Pénalité de quoi En commission, tu avais parlé de pénalités. Françoise. Malgré les pénalités. Il y a pas, non, de l'arrêt d'appel d'offres. Ah. Oui, on est en cours de discussion sur l'arrêt de l'appel d'offres. Il y aura une contrepartie financière parce qu'effectivement, on a explosé l'enveloppe. Donc, on s'est dit que c'était pas. Oui, c'est ça. On est sur ce. Sur ce niveau-là. Donc, mais on a explosé l'enveloppe et ça, ce n'était pas raisonnable. Donc, on a pris nos responsabilités et on a dit stop. Voilà. Hein, c'est exactement comme sur d'autres sujets en début de mandat précédent où, oui, sur la Barrel, en 2015, on avait fait un stop. Parce que là, c'est pas que ça s'envolait, c'est qu'on n'avait pas. On n'avait pas les moyens de faire l'investissement, quoi. Parce qu'on avait à ce moment-là un effet ciseau des courbes, donc on n'avait pas les recettes suffisantes et l'investissement était trop coûteux. Donc on a fait un stop en 2015, par exemple, sur la Barrel. Donc il y a des pénalités, oui, bien sûr. Non, mais c'était pour savoir, parce qu'on avait discuté en commission, ouais. Donc on n'avait pas les chiffres. Non, c'est pour savoir, non mais quoi. Ça va être par rapport à. Pardon. Par rapport à la différence de budget, ça va être plus M. Hein. Voilà, ça va être peut-être 10 000 euros, enfin, c'est juste comme ça par rapport aux 400 000 euros d'écart entre le budget. Et voilà, c'est, enfin, je veux dire, c'est ça là. Est-ce que je peux poser une question complémentaire pour comprendre? Donc, il y avait un montant qui avait été défini au départ pour les tennis, et c'est pour ça que ce projet avait été choisi. Ensuite, le prix a monté. Et le fait de renoncer engage des pénalités pour la commune alors que ce n'était pas prévu au départ que ce soit plus cher. Comment ça se fait en fait que la commune ait quand même des pénalités malgré ce n'est pas vraiment des pénalités, hein, c'est. Non, payer le travail qui a été fait, oui, les études et tout parce ça. Qu'ils avaient avancé en fait. Ce n'est pas du tout des pénalités. Ce que je veux dire, c'est que c'est toujours une problématique de budgétiser un investissement comme celui-là parce que.
même si les services ont de grandes qualités et connaissent et se renseignent hein, sur d'autres collectivités, combien peut coûter un tennis couvert, mais voilà, on met une somme au budget et puis finalement on fait un appel d'offres, puis on s'aperçoit qu'il y a peu de monde qui répond. Donc là, c'est aussi déjà une problématique parce que celui qui répond à 1 million, ben, s'il est seul, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, donc ça a été un peu le cas aussi. Il n'y avait pas non plus foison de réponses pour pouvoir vraiment faire une analyse complète. Après, on définit effectivement des choses. Alors, des fois, les cahiers des charges ne sont pas forcément précis et les gens en face savent très bien l'utiliser hein, et vous mettre des travaux supplémentaires. Ah non, mais ça, ce n'est pas prévu. Ah, mais on veut mettre du photovoltaïque. Ah, mais on n'avait pas prévu, ce n'était pas dit. Enfin, voilà, il y a ces éléments qui permettent aussi, au fur et à mesure des projets, d'apprendre hein, et de se dire... Bon, la prochaine fois qu'on fera une cuisine municipale, je ne pense pas qu'on va en refaire une, mais on la fera sans doute différemment de ce qu'elle a pu être traitée au mandat précédent, par exemple, techniquement, parce que là, il y a vraiment des aberrations qui, aujourd'hui, nous coûtent très cher en fonctionnement et encore en investissement. Donc, voilà, mais on apprend aussi des erreurs. Et là, pour le coup, on n'est pas allé au bout parce qu'effectivement, on s'est dit non, là, on risque, parce qu'en plus, on est encore à l'état de commande. Donc, après, quand les travaux commencent et que là, il y a encore des surprises au niveau des travaux, comme à la cuisine, je me souviens d'une soirée appel d'offres, là, d'une commission appel d'offres, où ils voulaient un travaux supplémentaire pour pomper l'eau. Enfin, je veux dire, on sait qu'ici, dès qu'on fait un trou de 10 cm, on a de l'eau. Mais voilà, ce n'était pas prévu dans le cahier des charges, ce n'était pas écrit noir sur blanc. Vous voyez, il y a ça qui fait aussi que... Donc oui, c'est effectivement pas simple. Alors maintenant, même s'il y a une pénalité, entre guillemets, ou des coûts d'études que le bureau d'études peut faire valoir, parce qu'effectivement, il a fait un certain travail, qui peut d'ailleurs même être repris dans le cadre de la nouvelle consultation, puisqu'il y a quand même un travail, pour le coup, il nous appartiendra, hein, cet engineering, on n'est pas du niveau d'écart qu'il y avait entre le budget qu'on avait mis et où on se trouve aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, on est à 800 000 euros, on avait dépassé les 1,2 million, là. Hein, donc, moi, je préfère qu'on lâche 10 000 euros pour récupérer des études plutôt qu'on aille jusqu'au bout des 1,2 million, et peut-être 1,4 million, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a une plante ou il y a un truc qui embête tout le monde. Enfin, voilà, c'est ça que je veux dire. Hein. D'accord. Et là, donc, ce nouveau projet, en fait, pour l'instant, il n'y a pas encore eu d'appel d'offres, c'est ça? Non. D'accord. Non. Et on est en train de regarder, effectivement, pour se dire, on va arrêter. Donc, c'est pour ça qu'on ne vous donne pas un montant exact, on vous donne plutôt une fourchette, parce que ces choses sont en train d'être regardées par les services. Mmh. La décision a été prise par l'exécutif il y a à peu près une semaine, 15 jours, qu'on se dise, là, on va stopper. Donc, on est en train de regarder comment on freine. D'accord, parce que la dernière fois, au dernier conseil, on en avait discuté. Nous, on avait compris que, justement, vous aviez mis un stop à ce projet. On continuait à travailler et puis à regarder comment ça avançait. Et puis, dans le même temps, on a essayé de se renseigner sur d'autres procédés de construction, etc. Donc, on essaie de se renseigner. On regarde également ce que ça va nous coûter. Aujourd'hui, la tendance, c'est plutôt de se dire on va arrêter. D'accord, merci. Maintenant, si on n'arrête pas, c'est au budget. Parce que moi, je parle du budget. Hein. Ouais. Puis je ne fais pas de tennis. Alors... Peut-être m'y mettre. Juste une question encore, ouais. Puisqu'on avait parlé aussi en commission, c'est la partie terrain de pétanque. Donc, on voit que c'était 60 kilos pour la réfection de l'ancien, du terrain. Ce qui est marqué, mais on n'avait pas dépassé. Alors, on n'était pas sûr du chiffre en commission. Alors. Donc, je pense que tu as dû avoir des chiffres. Alors, déjà, la pétanque, j'en fais un peu plus que du tennis. Oui, j'ai la réponse. Après, il faut que je la retrouve. Donc, en fait, il y avait bien. Les 60 000 euros sont bien pour le retravail des anciens terrains pour faire une butte arborée qui va être mise à la place. Hein. Et les 10 000 euros, il y a 10 000 euros mais parce qu'il y avait déjà en 2022 248 000 pour la réinstallation des terrains. Voilà, ça c'est un fin de programme en fait. Les 10 000 euros, c'est le bouclage. Et c'était sur. Donc là, ça va être remis sur la partie des 1 hectare. C'est sur le devant, juste à côté de l'espace Paul Jargeau en fait. Voilà. Où il y a le petit parking en long, là. Donc, les terrains seront là. Et après, on a le parc. L'extension du parc, voilà. Oui, c'est ce qui était d'ailleurs dans la plateforme de concertation. Hein. C'était ouais. Des choses qui ont été portées par la concertation, le terrain de boule. Et c'est vrai que Serge a raison de le rappeler. Les anciens terrains vont être recouverts.
Bon, là, les services n'ont pas encore regardé précisément comment on allait le faire, mais l'idée, c'est de ramener de la végétalisation sur ce secteur-là et de l'arborer, parce que ça permettra de faire aussi une zone tampon entre les constructions de l'écoquartier et le skatepark. D'autres questions sur les pétanques, boules, jeux de balles? Non, je vais encore dire quelques mots, puis après, ouais. Les travaux, travaux voirie. Alors, on fait quand même un peu de travaux de voirie. Il y a un point important dans ce poste-là, c'est les ponts, hein, parce que c'est un budget qui va s'échelonner quand même sur plusieurs années, au moins jusqu'à la fin de ce mandat-là, et sans doute sur le mandat suivant. On a fait un audit de l'ensemble des ponts qui traversent la commune. Effectivement, il y a des travaux pour les remettre en sécurité. Alors, sur 400 000 euros sur 2023 et 1 million après qu'il faudra planifier sur la fin du mandat, hein, pour remettre en état les différents ponts de la commune. Donc, c'est un poste non négligeable, obligatoire, hein, parce qu'il ne faut pas qu'on ait un risque à la traversée d'un pont. Voilà. Et puis, c'est les ponts. Les points d'apport volontaires, on continue à travailler sur les points d'apport volontaires. Les travaux sur les bâtiments communaux, à peu près 800 000 euros. Alors, on a pêle-mêle, le Projo, la MJC, les écoles avec Cascade. Il y a des travaux sur l'école Cascade. Ils sont dans la PPI, hein, donc si vous avez des questions, on verra après. Les travaux sur la mairie avec la reprise du salle du conseil et du réseau de chauffage. La reprise de la salle du conseil, c'est principalement les tables mouvantes que nous avons tous devant nous. On va essayer de rendre un peu plus stable. Voilà. Ça avance. Ouais. Oui, juste pour dire, on a essayé de retrouver les roulettes en question. Essayer de bloquer, ça n'existe plus. Parce que moi, oui, non, c'est fou. Oui, c'est on n'a pas, les moyens de remettre les roulettes telles qu'elles sont aujourd'hui avec les systèmes de verrouillage. L'extension du CTM, un bureau supplémentaire à la mairie et un projet éventuellement de commencer à l'aménager, l'étage de l'atelier où là on a une surface qui aujourd'hui est totalement inexploitée. Bon, ça c'est au budget, on verra exactement ce qu'on en fait. Travaux sur le patrimoine ancien, ça c'est un point important qu'on aurait aussi pu mettre dans la partie environnement, puisque c'est un peu le travail sur le moulin, sur la réfection des bassins, sur ramener un peu d'eau en ville, hein, ramener un peu de fraîcheur et d'eau. Les acquisitions foncières pour 800 000 euros et la déconciliation et la recherche de subventions. Voilà. Après, si vous voulez des détails sur la PPI, je peux la brosser, mais là, ça va être long. Mais si vous avez des questions, avec plaisir. Je voulais juste revenir sur la page avant, excusez-moi de m'intervenir comme ça, au niveau du budget pour le parc pâturel, parce qu'il me semble qu'au mois de novembre, on avait eu une délibération sur un surcoût de 159 300 euros. Alors, c'était sur le budget 2022, il me semble. Et je voudrais que vous, si vous pouvez me donner des détails sur, pour 2023 en ce qui concerne spécifiquement l'aménagement du parc. Nous sommes toujours pas d'accord, mais bon, demandez de précision. Oui, c'est vrai que vous vouliez faire du logement à cet endroit-là. Oui, alors on peut ne pas être d'accord pendant des années et des années, mais ce parc va être fait. Il sera joli, il sera arboré. Oui, il sera mieux et il sera plus intéressant. Parce que la dernière fois, on a parlé de bétonisation au niveau de la mine. Voilà. Et on aura plaisir à se croiser dans le parc. On a le droit d'échanger. Le parc pâturel, alors, moi, qu'est-ce que vous voulez savoir? Parce qu'on avait 940 000 euros avec les réinscriptions qui sont mis au budget 2023. Il y a 284 000 euros de réinscriptions qui n'ont pas été soldés sur 2022. Qu'est-ce que vous souhaitez savoir précisément, en fait? Parce que je n'ai pas forcément les réponses. Uniquement ce qui est affecté à l'aménagement du parc pour 2023. Voilà. Ben c'est le point, ce qu'il y a au budget, pour 940 000 euros. Enfin, il faut préciser qu'il y a quand même tout la reprise des aires de jeu, qui a une somme très importante. C'est pour ça que c'est plus que ce qui avait été annoncé l'année dernière. Parce qu'il faut reprendre tous les aires de jeu qui sont plus conformes. Non, les aires de jeu, elles sont à part, Eric. Il y a 97 000 euros pour l'aire de jeu.
Oui, oui, non, mais il faut prendre la PPI, hein, 940 984 euros d'inscrits pour les 1 hectare du parc Paturel, dont 284 984,43, c'est relativement précis, hein, qui sont des réinscriptions de dépenses engagées. Donc, la somme qui est au budget 2023, c'est 940 984. Donc, on aura un chiffre exact d'ici un mois, puisqu'on aura le retour des consultations. Et puis, c'est vrai que ce budget, la consultation a été faite suite à une grande concertation qui a été faite là-dessus, où il y a eu quand même énormément de demandes, et même des choses qui n'étaient peut-être pas prévues au départ. Et à partir du moment où elles ont été demandées, on a essayé de les intégrer aussi. Et donc, vient se rajouter 97 000 euros pour la reprise de l'aire de jeu du parc, qui n'est plus en conformité suite à un audit. Hein, donc, ça, c'est toute l'aire de jeu. Et à l'intérieur de cette aire de jeu sera réalisé pour un budget aujourd'hui, en 2023, de 60 000 euros pour une aire de jeu inclusive. Voilà. Donc, le 1 hectare, c'est une chose. Et puis, il y a l'aire de jeu, ce n'est pas dans le 1 hectare, mais ça vient se rajouter sur l'ensemble du parc. En fait. Voilà, c'est pour ça que je demande des précisions là-dessus. Une petite question par rapport à l'aménagement des 1 hectare. J'avais en mémoire un budget de 300 000 euros au moment où on avait lancé la concertation. J'ai loupé quelque chose, parce que là, on parle de 940 000 euros. C'est soit j'ai loupé quelque chose à l'époque où on a concerté, soit... 300 000 euros, je ne sais pas, ça ne me parle pas. Non, c'était un budget qui était annoncé hors taxe aux alentours de 350 000 euros. Aujourd'hui, sur l'ensemble de projets, on va être... Oui, c'était avant la concertation. Donc, on avait donné une enveloppe de ce niveau-là. Ensuite, la concertation a amené un certain nombre d'éléments. Ça a choisi également un projet. Et ce projet est un peu plus coûteux que l'enveloppe que nous avions fixée. Et d'ailleurs, sur cette enveloppe, on a commencé à regarder un certain nombre de sujets pour essayer de tenir une enveloppe budgétaire raisonnable. Donc, on avait sur ce parc, c'était ce qui a été retenu, c'était les jardins climatiques, sauf erreur de ma part. Donc, il y a beaucoup de botanique autour de ces jardins. Il y avait également la colline des brumes et il y avait également un parcours de l'eau avec des bassins qui étaient un coût non négligeable. Donc, les bassins, nous avons fait le choix en exécutif de les sortir. C'est-à-dire que nous retrouverons une circulation de l'eau, mais sur quelque chose qui sera, plus naturel. C'est-à-dire que nous avons une source qui sera ramenée à cet endroit-là et on retrouvera un parcours de l'eau beaucoup plus naturel que ce qui avait été imaginé, parce que le coût des bassins et des réservoirs et des systèmes de pompes amené à des enveloppes qui n'étaient pas raisonnables. Ok, je vous remercie pour cette précision. Donc, j'ai bien compris. On a dérivé de 3 fois le budget initial, puisqu'on était autour de 350 000. Vous aviez dit, on atterrit maintenant à quasiment 1 million d'euros, plus les 300 000 euros, je rappelle, de pénalité d'abandon de l'aménagement de l'écoquartier, hein, 300 000 euros. Donc, on est à un projet à 1,3 million. Voilà. Bon, moi, je trouve que c'est déraisonnable, mais bon, c'est un choix politique. Pierre-Jean, est-ce que tu avais fini ou pas ? Oui, ouais. Tout à fait. On aurait mieux fait de faire 200 logements. Eh bien, je persiste à croire que oui, Monsieur Lorimier, on aurait dû faire du logement. Mais on va pas... Sans compter que les logements, nous les faisons ailleurs, Monsieur Javet. Si vous avez circulé sur la ville et que vous l'avez observé, et si vous avez participé au débat sur le PLU, et vous connaissez notre volonté sur le sujet de continuer à faire du logement et à faire du logement social. Oui, je suis tout à fait d'accord, mais là, on était sur un secteur où... Mais c'est vrai que vous imaginez peut-être une ville beaucoup plus bétonnée sur l'ensemble du secteur. Est-ce qu'on peut continuer les questions ? Allez. Du coup, question donc, par rapport à la PPI, M. Pommelet. J'ai vu que vous n'en avez pas parlé, là, mais vous aviez mis un budget de 50 000 euros un budget participatif de 50 000 euros en 2023. Est-ce qu'on peut avoir des détails là-dessus, sur ce qui est envisagé ? Et pourquoi ? Et ma question suivante, pourquoi est-ce qu'on n'en a pas sur les années 2024, 2025, 2026 ? Alors, effectivement, on va le faire à deux voix, Eric. Hein. On a mis un budget sur l'année 2023 parce que
c'est la première fois qu'on met un budget sur un budget participatif, beaucoup de budget. Aujourd'hui, on ne sait pas du tout ce que ça va donner. Donc, il n'est pas programmé sur les années suivantes parce qu'on ne sait pas la volumétrie que ça peut représenter. Peut-être qu'en 2024, ce sera, si ça marche bien, 100 000 euros ou plus. Hein. Donc aujourd'hui, effectivement, on va lancer, on s'est mis au budget cette somme-là pour se dire qu'on va lancer ce budget participatif. Et là, je vais laisser la parole à Eric qui va plus vous parler du détail. Oui, donc voilà, on a déjà un premier budget qui correspond à la moyenne nationale des budgets participatifs par le nombre d'habitants. Et pour les détails, on va en discuter en particulier en commission concertation qui a eu le 14 mars. Donc vous êtes conviés aussi, Monsieur Giré qui est convié à cette commission, pour en discuter en détail de la façon dont ça va se mettre en place. L'idée, c'est d'avoir une première phase de projet avant l'été et le vote sur les projets cet automne. Ok, merci. Après, j'avais une question sur les acquisitions au cœur de ville. J'ai vu qu'on avait un budget cette année à 410 000 euros. Est-ce qu'on a déjà des acquisitions en vue ou pas? Parce que les années suivantes, on est autour de plus de 300 000 euros. Donc, juste une question là-dessus. Aujourd'hui, sur le cœur de ville, nous avons fait en grande partie l'ensemble de nos acquisitions. Donc, on a inscrit des montants sur, on l'a évoqué la dernière fois, la maison Genoulaz, sur laquelle nous sommes en discussion. Hein, et je vous ai rappelé que sur cette maison Genoulaz, j'avais proposé, et ne trouvez pas de mauvais jeu de mots dans cette expression, j'avais proposé que sur la maison Genoulaz, on travaille sur les circuits courts et des halles de producteurs, ce que vous avez repris un peu à votre compte dans une réunion publique du PLU. Merci de votre courtoisie. Non, j'avais juste rappelé qu'on avait évoqué ça en commission marché, effectivement. Après, question suivante. Au niveau du parc Paturel, alors oui, c'est une question que j'ai eue plusieurs fois en commission espace de vie. On ne la voit forcément pas, évidemment, retranscrire dans le PPI. La LPO nous recommande depuis plusieurs années de mettre en place des nichoirs. On est sur un coût vraiment négligeable de 300 euros. Et tous les ans, on nous dit qu'on n'a pas le budget. Donc, j'avais demandé à savoir si cette année, on pouvait le prévoir au budget pour mettre en place des refuges pour accueillir de nouvelles espèces d'oiseaux. C'est vraiment négligeable, 300 euros par rapport, par exemple, aux 50 000 euros de révision des cheminements de l'eau. Donc, je voulais savoir si c'était bien prévu ou pas. Eh bien, vous avez un très bon sujet pour participer au budget participatif. Moi, mon petit à l'école, ils en ont fait un nichoir. Donc, ça peut être un très bon sujet pour les budgets participatifs, par exemple, pour faire participer les citoyens, pour faire des nichoirs en collaboration avec la LPO, non par exemple. Non, on a une convention avec la LPO. Barbara, tu es dans le coin, là. On a une convention avec la LPO, c'est plutôt en fonctionnement, je crois, ça. C'est pris sur le budget de fonctionnement, une partie, pour justement les accompagner, mettre des nichoirs dans le parc. Oui. Après, je n'ai pas le budget en tête, le détail, parce que c'est vraiment des petites sommes, effectivement, comme vous le dites, hein. Ce n'est pas des gros budgets, donc c'est dans la convention, c'est prévu, effectivement. Ouais, les nichoirs vont être installés, ça, avec la LPO, mais je ne me rappelle plus le montant. Et... Mais on en a déjà parlé, je crois, hein, à ce conseil. On vous ressortira l'information si vous l'avez loupé. Okay, c'était on regardera, ouais. Ouais. On allait le faire. Non, mais je crois qu'on avait déjà parlé de ça. Hein. Oui, pour prendre ma casquette, cette fois-ci, de vice-président du Grésivaudan, sur les aspects environnement et innovation, je discutais il y a peu de temps avec la présidente de la LPO sur peut-être l'opportunité d'avoir dans le parc Jean-Claude Paturel des abris pour les chiroptères, c'est-à-dire les chauves-souris. Parce qu'aujourd'hui, l'ambition que nous affirmons dans notre PLU, c'est un grand parc Jean-Claude Paturel qui, demain, on va essayer de le mettre en connexion avec le couloir écologique
le corridor écologique du Craponose, en passant l'avenue Ambroise-Croizat, les îlots de verdure, en travaillant effectivement l'arborescence sur tout ce qui passe sous ST pour aller jusqu'au Craponose. Et on essaye de trouver également dans la construction du PLU des espaces réservés pour nous permettre des acquisitions pour aller au-delà du routoir que vous devez connaître, qui est du côté de la rue de Belledonne, et puis ensuite rejoindre là aussi le ruisseau de Crôle. Donc ça nous permettrait d'avoir en gros trois axes pour le déplacement de la faune, une partie de la faune, c'est-à-dire l'axe qui n'est absolument pas mobilisé là derrière les coteaux, un axe tout en bas du côté de la forêt alluviale et de l'Isère, et un axe qui viendra couper l'urbanisation. Juste, monsieur le maire, je me permets, parce qu'en fait, je commence un petit peu à mal supporter les attaques permanentes par rapport au parc. Juste, nous sept, nous n'étions pas là lors du mandat précédent. Il me semble que vous, oui, je crois même que vous étiez maire, et que c'était sous votre mandat qu'il avait été décidé de construire des logements à cet endroit. Oui, mais je n'ai... Donc c'est un petit peu facile. Non, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile parce que, oui, nous avons porté et j'ai porté effectivement les écoquartiers, mais à un moment, il faut être en capacité de ne pas se taper dans le mur et de regarder comment on peut aménager différemment parce que les choses évoluent autour de vous, l'environnement évolue. Donc, si vous continuez à rester buté sur un sujet, ça ne fonctionne pas. Donc, quasiment, en 2019, 18-19, j'étais personnellement et avec d'autres élus de la majorité, pas celle qui s'est présentée contre moi, sur l'idée de peut-être qu'il faut freiner. Peut-être qu'il faut freiner et que ce n'est pas une bonne idée parce que nous avons un foncier aujourd'hui important sous maîtrise publique, que ce n'est peut-être pas une bonne idée d'aller sur ces secteurs-là ramener de nouveau sur le secteur dont vous parlez, on était sur du R+3. Et de mémoire, je crois qu'on atteignait au moins 150 logements. Au moins 150 logements. Plus celui d'à côté, on en avait encore pour 150 logements. Donc, je me suis dit, ce n'est pas raisonnable. Il est plus intéressant de proposer aux habitants, puisque le secteur privé est en train de développer du logement collectif, de laisser le secteur privé développer du logement collectif, y compris du logement social, et de permettre aux gens dans ces secteurs qui n'auront pas la chance d'avoir un espace jardin, d'être en capacité de rejoindre le parc et d'avoir un véritable espace récréatif large et non contraint. Et aujourd'hui, je pense que nous avons raison dans cette voie, puisque ce parc est un refuge de la LPO. Demain, ce parc sera peut-être effectivement une connexion pour la faune et une partie de la faune en direction du Craponose et du ruisseau de Crôle. Et ce parc permettra aux habitants qui sont dans des immeubles collectifs à proximité de jouir d'un véritable espace de respiration, tout particulièrement quand vous avez des jeunes enfants. Parce que, effectivement, quand vous avez des ados, il n'y a pas de problème, mais quand vous avez des jeunes enfants, vous voulez vous déplacer en sécurité dans des espaces plutôt verts et savoir que vos enfants ne franchiront pas une route dans l'immédiat si vous les perdez de vue. Donc, je défends Mordicus. J'assume le fait que, sur le mandat précédent, l'équipe avait fait un choix collectif et un certain nombre de membres de cette majorité sont encore présents aujourd'hui. Nous avions fait un choix pour le logement et, à un moment, nous nous sommes aperçus que ce n'était pas, au vu de l'évolution de la ville, que ce n'était pas une bonne idée. Donc, c'est pour ça que nous l'avons combattu et que je continue à le combattre, alors que la dernière fois, quand nous avons discuté du PADD et pris en compte vos aménagements, vous avez encore utilisé le terme de bétonisation. Alors, moi, j'aimerais bien que vous me l'expliquiez, que prendre les surfaces du parc de 1 hectare et construire le logement, ce n'est pas bétonisé. Alors, j'aimerais bien qu'on n'ait pas d'erreur de langage. Je vous demandais juste, en fait, d'arrêter de revenir toujours sur cette agressivité vis-à-vis de nous, sur des choses qui avaient été décidées sous votre mandat, monsieur le maire. Non, je ne suis pas agressif. C'est simplement, à chaque fois, vous contestez ce fait. Vous contestez notre choix. Et vous l'avez encore dit il y a très peu de temps.
il n'y a pas de problème. Vous contestez votre choix, mais vous me laissez aussi la liberté de vous dire que vous aviez un choix différent. Pour les Crolois, ce choix était différent, c'était d'urbaniser ce secteur. C'est un choix qui peut s'entendre. Moi, je me suis désolidarisé de ce choix parce que je pense que ce n'était pas, au vu de l'évolution de la ville, ce n'était pas un bon choix. C'est tout. Je veux dire, les gens qui ne changent pas d'avis, j'ai le souvenir. Je suis désolé, je suis un peu agacé par le sujet parce que j'ai l'impression que vous êtes un peu dogmatique. C'est-à-dire, vous avez des œillères, on a un programme, c'est un peu le plan. Donc, on déroule le plan. Et si on s'aperçoit que le plan n'est pas bon, moi, je pense que il est plus intelligent de se re-questionner sur le plan et d'essayer de faire quelque chose de plus intelligent pour l'ensemble de notre collectivité. Alors peut-être que si vous voulez qu'on arrête de parler de ce sujet, il faudrait peut-être arrêter de nous relancer dessus toutes les 5 minutes. C'est vous qui posez des questions. Non, mais je vous le rends. C'est vous qui posez des questions. Non, mais attendez. Enfin, attendez. Un peu, restons raisonnables. C'est vous qui posez toutes vos questions quasiment portent sur le parc. Ben si. Quel montant? C'est 3 fois le montant? C'est 2 fois le montant? Attendez. Il y a un moment donné, vous n'avez pas compris que ce parc, il est acté. Il est acté dans la PPI, on le porte dans la PPI depuis maintenant 2 ans. Les appels d'offres sont en cours. Le PLU, je pense que vous l'avez vu, il va sanctuariser cet espace-là. Donc, on peut, pendant des années, ressasser ça. Moi, je préfère qu'on avance sur des... Typiquement, sur le budget participatif, pourquoi 50 000 euros? Pourquoi pas 60, 80? Pourquoi... Voilà, je préfère qu'on parle là-dessus. À un moment donné, le parc, il va falloir le lâcher, ce parc. Je vous promets, on aura Javet plaisir à se rencontrer dans ce parc. Question de M. Javet portait sur le montant, parce qu'on s'inquiète quand même de voir des montants triplés. On s'inquiète de voir des montants triplés, tout simplement, sur des choses. Et à côté de ça, on voit que l'agrandissement de l'espace Paul Jargeau joue à l'arlésienne une fois de plus, puisque cette fois-ci, ça a disparu complètement. Et voilà, vous ressassez exactement des vieilles lunes. Donc, à un moment, on est obligé de vous redire, parce que on a l'impression que vous ne l'avez pas compris ou vous ne voulez pas le comprendre, vous revenez toujours sur les mêmes sujets. On vous a donné des éléments d'explication, peut-être qu'ils ne vous conviennent pas, mais en tout cas, ce sont des éléments d'explication. Vous pouvez ne pas être d'accord, pas de souci, mais comme le disait M. Serge Pommelet, vous revenez en permanence sur ces sujets-là. Donc, au bout d'un moment, je suis désolé, ça finit par être un peu agaçant. Ça finit par être un peu agaçant et je ne voudrais pas qu'on trompe nos habitants. Clairement, je ne voudrais pas qu'on les trompe. Alors, je vais poursuivre. Au niveau du PPI, donc cadre de vie, sur les ronds-points, le budget me paraît excessif, en fait, pour l'aménagement des 2 ronds-points, notamment celui de 2023, aménagement du Rafour. Je pense qu'il faut qu'on fasse quelque chose de très simple sur ce rond-point, planter des arbres et ne pas, justement, vous en parliez tout à l'heure, mais artificialiser, bétonner ou... Voilà. Du coup, 50 000 euros, c'est, on a l'opération planter un arbre a coûté 30 000 euros, et là on est sur 50 000 euros. Donc je ne sais pas ce qu'il y a derrière ce chiffre, mais voilà, bon, on le verra certainement en commission espace de vie ou pas d'ailleurs. Mais... Alors, moi je le cherche là déjà pour. Ligne 14. Ouais, moi, numéro 14. J'ai pas la même. C'est quoi le. Opération Cyril, 1804. 1800, c'est pas dans l'ordre. Rond-point. Oui. Aménagement paysager, 2022, Charles de Gaulle, 23, Rafour 24, Prérou. Gilbert, tu as des éléments là sur ce. Non ? Ah, d'accord. Non, on a inscrit un budget sur le secteur en ayant une réflexion sur une thématique. C'est en gros, nous faisons partie du parc naturel de Chartreuse. Donc, on a demandé à un paysagiste de travailler sur le sujet. Donc, on a inscrit un montant. On verra quel sera le point d'atterrissage. Si on peut faire à moins, l'idée, c'est quelque chose d'avoir quelque chose d'assez simple et qui soit représentatif de ce qu'est le parc naturel de Chartreuse derrière nous. Parce que ça nous semble important. Ça permet de marquer que cette ville, qui est une ville à la fois de la modernité et de l'innovation à travers les nanotechnologies, est également une ville ancrée dans un espace naturel sur lequel elle s'adosse, qui est le parc naturel de Chartreuse. Donc ça veut dire que, quelque part, cet objectif-là est signé, cela nécessite un minimum de faire quelque chose qui ressemble à quelque chose, et pas uniquement planter simplement
trois ou quatre arbres. Donc, on attend les propositions et on verra les propositions qui nous sont faites. Ok, je vous remercie. Après, donc, on fait un petit saut là, sur aménagement pour les déplacements doux. Je me posais la question, pourquoi les travaux sur Maï Mandela là, et secteur Clapis interviennent qu'en 2024, alors qu'on a eu du coup une année de coupure en 2023. Est-ce que c'était pour ne pas avoir d'être en même temps que les personnes qui font les travaux? C'est pour ça qu'on a décalé d'un an ou... On a décalé par rapport aux travaux des placettes et de l'école, en fait. Oui, d'accord. Voilà. Pour voir comment on pourra travailler une continuité par rapport aux travaux de l'école et des placettes. Okay. Donc, c'est pour ça qu'on l'a décalé d'un an. Ok. Après, une question par rapport, vous avez parlé tout à l'heure des réseaux et des sources. J'ai vu, deux questions. Au niveau de la source de la cascade, un budget à 130 000 euros. Je voulais savoir, actuellement, la mare aux enfants, donc la source de la cascade, c'est a priori ce qui alimente la mare aux enfants. On a des soucis sur cette source actuellement ou pas? Parce que la mare, elle est remplie. Oui, elle est remplie, mais elle n'est plus alimentée, les réseaux sont bouchés. Ah, d'accord. Donc, j'ai mis mes bottes pour aller faire un tour dans le secteur. Et cette source alimentait également le lavoir rue du Brossé. D'accord. Voilà. Okay. Et alimentait également un particulier. On a remonté avec les services techniques. On est parti de la source et on est arrivé jusqu'au répartiteur, parce qu'il y a un répartiteur en haut de la rue de la Cascade qui permet d'envoyer l'eau tout droit ou l'eau sur Monsieur Machin parce qu'il avait un droit d'eau et sur le lavoir. Et on s'est aperçu qu'après, on perd le réseau, c'est-à-dire l'eau n'arrive plus. Donc, il faudra qu'on reprenne ce réseau pour avoir une continuité et que l'eau continue à couler correctement de la cascade, enfin de la source de la cascade, en direction effectivement de la mare aux enfants. Et ça nous permettra peut-être demain de ramener de l'eau sur un aménagement place de la mairie. Ok, merci. Autre question sur la source du radis. Donc, de mémoire, c'était la source qui vient du plateau. Oui, la source du radis. J'y suis allé aussi avec mes bottes. Je suis monté jusqu'à Saint-Pancras parce qu'elle est sous Saint-Pancras. Les services doivent regarder s'il est possible de s'entendre avec Berlin. Parce que les canalisations ont été détériorées par un glissement de terrain. Bernin a un captage d'eau qui, a priori, va sur le château dont j'ai oublié le nom, qui est le château de Bernin, en haut, là, en haut de la gorge. Donc, les services ont été mandatés pour discuter avec la ville de Bernin pour savoir si, à partir de leur répartiteur, on pourrait prendre un peu d'eau et la faire redescendre dans le tuyau qui est encore en état, pour effectivement alimenter notamment les parties hautes des coteaux pour de l'élevage. Ok, et du coup, on serait inférieur, parce que de mémoire, la FAV est présentée à un suivi autour de 100 000 euros. Du coup, là, je connais un certain nombre de sujets, parce que j'y vais et je mets mon œil partout, mais j'avoue que je n'ai pas le détail. C'est au niveau des services aujourd'hui que les choses ont été budgétisées pour faire en sorte que, dans un premier temps, on ramène l'eau de la source de la cascade, et que dans un deuxième temps, on essaye de travailler sur la source du radis. Okay. Parce que là, c'est un peu plus complexe. Ça nous aurait coûté excessivement cher de reprendre complètement la tuyauterie. Et vous pouvez aller voir sur le terrain, c'est toujours intéressant de voir les choses sur site plutôt qu'en salle. Je voulais juste rajouter quelque chose pour la source du radis. C'est assez complexe. Parce que si on veut repartir d'en haut, ça va coûter très très cher. Donc la solution avec Bernin est la meilleure. Et j'espère que ça fonctionnera parce qu'on a besoin d'eau là-haut. Ouais, c'est ça, parce que j'avais en mémoire les 100 000 euros. Effectivement, là, voilà. C'est tant mieux si on peut le faire pour 3 000. Ouais. Non, mais tout à fait. C'est exactement ça. Hein. On essaie de revenir sur quelque chose de beaucoup plus raisonnable au vu de l'évaluation qu'on a pu faire avec les services sur site. Ok. Et dernière question, c'est... Alors, je ne sais pas quel item c'est, là, du coup, il n'y a pas de nom. C'est sur les modernisations de voitures. Donc là, je vois un budget de 474 000 euros. Vous en aviez parlé tout à l'heure. Là, on aura toutes les voitures du coup, de la ville en électrique à fin 2023 ou pas? Avec un budget comme ça? Je ne pense pas. Hein. Non, non, je ne pense pas. Parce que déjà, bon, y a différentes catégories. Il y a les petits véhicules.
il y a les véhicules plus techniques, les poids lourds, etc. Donc, non, on verdir tout l'ensemble, c'est pas aujourd'hui encore accessible. Là, ce qui est important, c'est de verdir toute la flotte, au moins de VL, hein, tous les différents petits véhicules. De lancer des projections, puisqu'on en parlait il n'y a pas si longtemps que ça, éventuellement une balayeuse électrique. Mais là, c'est pareil, c'est des budgets qui sont énormes. Il faut se rendre compte quand même que par rapport à du thermique, c'est 40% facile de plus en termes de coût. Donc, c'est le double. Et donc, on est à 230 000 hein, pour la thermique. Ouais. Voilà, et ça double pour l'électrique. Hein, il faut l'avoir en tête. Hein. Mais non, mais effectivement, on continue le parc, de renouveler le parc, de se poser des questions aussi sur le nombre de véhicules. Enfin, on fait tout ce travail-là. Et effectivement, alors après, ce qu'il faut voir, c'est qu'entre la décision de changer de véhicule, je le disais tout à l'heure, et l'arrivée du véhicule, il se passe des fois plus d'un budget. Hein. Donc, il y a des reports, il y a des choses comme ça qui viennent aussi s'ajouter aux chiffres. Hein. Voilà. Et on n'a pas toujours tous les véhicules en électrique. Dès que vous avez des gros porteurs, ouais, ça marche pas. Ça sert à rien. Hein. Vous êtes obligé. Là, on a, on l'a pas reçu le camion qui fonctionne au GNV. Non, il est en attente de commande là. Donc. Oui, c'est ça. Hein. Oui, donc on a commandé un véhicule lourd gaz. Ça fait maintenant plusieurs mois qu'on l'attend. Hein. D'autres remarques, questions, interrogations, invitations ? Moi, par exemple. Oui, je vous invite à visiter. Bien. Bon, donc c'est porter à connaissance et c'est organiser le débat d'orientation budgétaire. Donc ça ne se vote pas. Ce qui sera voté, c'est le budget. Donc délibération suivante. Oui, c'est pour le remplacement d'un conseiller municipal au sein de la commission municipale culture, animation, patrimoine, coopération internationale. Donc, de remplacer Madame Anouk Gérard, qui était démissionnaire, par Monsieur Bernard Faure. Donc, je vous propose de passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Remplacement, là également, d'un conseiller municipal au sein de la commission municipale finances et relations économiques. Donc, suite au départ de M. Édouard Bourreau, remplacement par M. Patrice Kaufmann. Donc, soumis au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. La parole est à Marc Lizère pour une subvention exceptionnelle FACECO. Oui, bonsoir. Donc, considérant la volonté de la commune d'être solidaire avec les populations touchées lors de catastrophes naturelles ou humanitaires, et donc comme les années précédentes, comme en 2020, la commune de Crolles avait attribué 1 000 euros pour l'association des pompiers volontaires suite à l'explosion, aux explosions qui s'étaient passées au port de Beyrouth. En 2021, pour rappel, 1 000 euros à l'association Cité Unie suite au séisme survenu en Haïti. Et en 2022, donc, déjà une subvention au FACECO pour une aide aux populations touchées par le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Donc, considérant la collecte organisée cette année pour le Fonds d'action extérieure des collectivités territoriales suite au séisme survenu le 6 février 2023 en Turquie et en Syrie, après un avis favorable de la municipalité du 21-2-2023, Monsieur le maire propose au conseil municipal d'autoriser le versement d'une subvention de 1 000 euros au FACECO afin de contribuer à l'aide d'urgence aux sinistrés. Alors, j'ai pris la note un peu dans le désordre, mais tout y est. Des questions sur cette délibération ? Pas de questions. Je vous propose de passer au vote pour la solidarité avec la Turquie et la Syrie à travers FACECO. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Une abstention ? Merci. Nouvelle tarification de l'eau. Non, ce n'est pas les salles. C'est avant. C'est les abonnements et la tarification sur l'ensemble des salles du territoire. C'est ça, ça va aller très vite. Donc en fait, pour harmoniser un petit peu l'idée qui était déjà en place, c'est-à-dire
on va se mettre toutes les salles du Grésivaudan en fait avec un système d'abonnement en fait mutuel en fait pour pouvoir en fait avoir les personnes qui puissent naviguer d'une salle à l'autre en fonction de leur souhait, en fonction des programmations respectives. Que ce soit, donc on était déjà avec le Coléo, avec Aragon, avec l'Agora, et puis on va rajouter en fait dans le groupe avec la Pléiade à Alvar et le Belvédère à Saint-Martin-du-Riage, ce qui permet en fait de réfléchir et de continuer à avancer plus soudés tous ensemble et pour avoir aussi peut-être une communication meilleure et collective. Donc c'est avant tout en fait pour avoir un abonnement à tarif réduit commun sur toutes les salles et pour passer de l'une à l'autre plus facilement. Bon, ça permettra effectivement d'aller voir des spectacles et d'être plus libre sur sa mobilité culturelle et c'est toujours très intéressant. Moi j'ai pu aller voir un beau spectacle, le Lac des Cygnes à la Pléiade à Alvar, qui était produit par une troupe ukrainienne qui venait d'Odessa. Je propose de passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Toujours Didier Gérardot, délibération suivante. Nouvelle tarification de location des salles de l'espace Paul Jargeau. Donc on a vu ça récemment en commission culture, c'est par rapport à l'espace Paul Jargeau. En fait, on s'est posé la question en fait de savoir déjà si les tarifs qui étaient à disposition en fait pour la location de cette salle étaient justes. Et en fait, dans l'idée suivante, c'était potentiellement de la mettre à disposition, enfin pas à disposition gracieuse, mais en fait en location pour des séminaires, pour en fait des entreprises, voilà, éventuellement pour la laisser en location dans un temps où c'est qu'on a des espaces creux. Ça reste toujours un lieu à vocation en premier lieu culture, bien sûr, pour les différents spectacles, mais aussi pour les associations. Mais on s'est dit que dans les moments où c'est qu'on n'avait pas de résidence, où c'est qu'on n'avait pas d'accueil de vie associative, surtout dans l'auditorium, est-ce qu'on aurait la possibilité éventuellement de louer deux, trois fois dans l'année ? Ça serait déjà super pour l'année prochaine, éventuellement pour des comités d'entreprise ou autres séminaires. L'idée, c'est de faire en sorte d'avoir des recettes et de mieux faire fonctionner, enfin pas mieux faire fonctionner, mais en tout cas de mieux valoriser cet espace. C'est ça, tout en gardant l'idée première que ça reste l'espace culturel, oui, bien et pour sûr. Les associations et pour l'école de musique, etc. etc. Mais bien dans sûr. Ces espaces où c'est qu'on a un peu de disponibilité, autant essayer de le faire valoir. De le valoriser. Merci Didier. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça ? S'il n'y a pas de questions, je vous propose de passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. J'avais quelque chose à préciser aussi, puisque j'étais présente à la commission. Il y a aussi l'implication sur le changement d'envergure de la saison. Oui, en fait, pour essayer de laisser un peu plus d'espace, on est en train de moduler donc la saison culturelle de l'année prochaine. Donc c'est un petit scoop. En fait, on va partir sur une saison, on va dire une double saison. Une première un peu plus à l'intérieur de l'espace Paul Jargeau qui sera de septembre jusqu'à avril. Et une vraiment plus 100%, c'était vraiment l'objectif. Et c'est comme ça c'est pour cela qu'on a recruté le directeur de Monsieur Grimaud à l'espace Paul Jargeau depuis un an. C'est pour aller à la rencontre des gens, des Crolois, mais pas que, parce qu'on est une ressource départementale au niveau de l'espace Paul Jargeau. Donc, on a fait l'acquisition dans ce qu'on appelle un théâtre éphémère qu'on peut bouger rapidement en fait, dans un véhicule léger pour effectuer du théâtre. Et donc, en fait, cette deuxième partie qui sera quasi 100% hors les murs de l'espace Paul Jargeau, donc en extérieur, mais aussi dans des gymnases, dans des différents lieux, ça sera sur la deuxième partie de saison. Donc, il y aura deux fascicules pour l'année prochaine, d'avril jusqu'à juin. Mais on gardera bien sûr les scolaires au mois de mai et au mois de juin. On gardera bien sûr les spectacles des associations qui veulent bien sûr faire leur fête et leur représentation annuelle au mois de juin, au mois de mai. Là-dessus, on ne change rien. Mais on essaye aussi
de faire peut-être rentrer des entreprises pour des séminaires. Voilà. Mais bien sûr, c'est ça, il y aura deux saisons, une à l'intérieur et une à l'extérieur. Oui, c'est absolument important parce qu'on voit bien, enfin, moi j'ai vu l'autre jour, j'étais très heureux du dispositif Sa Musique, qui est porté par Anitani. C'est un dispositif qui a permis à des enfants d'être présents aux côtés d'une artiste. Et ça a fait venir des parents que j'ai pu croiser dans certains logements, dans des logements sociaux, souvent, qui sont venus à Jargeau. Et ça, c'est un truc, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. C'est-à-dire, c'est comment ces gens qu'on voit peu, comment on les amène. Et je sais que Didier est attentif à ça. Il a travaillé à travers le sport, notamment, comment on fait une passerelle entre le football et l'espace Paul Jargeau. Il va travailler sur une passerelle entre le rugby ou la pratique du rugby en direction effectivement, de l'espace culturel. Donc, comment on amène ces gens qui n'ont pas l'habitude forcément d'aller dans un espace culturel, qui ont l'impression que ce n'est pas pour eux, comment on les amène petit à petit à découvrir de la culture. Donc, il faut aller vers eux et je crois que c'est le meilleur moyen. En tout cas, merci Didier d'y travailler activement et merci aussi Annie pour le beau dispositif Sa Musique sur Crawl. C'est un dispositif conjoint avec Didier. C'est bien, c'est la transversalité. Très bien, s'il n'y a pas d'autres questions, d'autres remarques, j'ai fait voter, je crois. Hein. Non ? Oui ? Si, j'avais fait voter. Et j'avais pris quand même la remarque après pour ne pas couper l'élan ni le débat. Très bien, donc c'est voté. Dernière délibération, ça concerne effectivement donc le recrutement d'un nouvel instructeur du droit des sols venant de s'achever. Donc, il faut créer effectivement le cadre d'emploi, donc un cadre d'emploi de rédacteur territorial, parce qu'il ne vous a pas échappé que, bien évidemment, il faut instruire les dossiers, parce qu'on a des demandes aujourd'hui d'urbanisme, non seulement de la part de l'activité économique, mais également de la part de gens qui veulent habiter sur la ville, donc à travers de la maison individuelle, mais également à travers du logement collectif porté par des promoteurs. Donc, il y a du boulot au service urbanisme. Très bien, on peut peut-être passer... Je dirais que c'était acquis. Donc, on va faire voter. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Peut-être passer. C'est cryptique quand même. Hein. Il va falloir que je change mes lunettes. On essaiera peut-être, parce que c'est une remarque que je me faisais, peut-être augmenter un peu la lettrine, hein, parce que c'est un petit peu petit. Hein, donc, une petite remarque, que ça soit peut-être un petit peu plus lisible et ça devrait rentrer quand même dans la diapo. Donc, prochain conseil municipal vendredi 31 mars avec le vote, cette fois-ci, du budget prévisionnel pour l'année 2023. Ensuite, le vendredi 28 avril 2023, prochaine commission du mois, donc accessibilité, donc le 16 mars, 18h, salle du conseil. Économie finance, la date est pas encore... Non, date en cours, décalage, voilà. Espace de vie, donc le 16 mars à 18h30. Culture, animation, patrimoine... et sport, donc on a une date le 23/03/2023. Voilà, c'est une commission commune, hein, sauf erreur de ma part. C'est le vote des subventions en fait pour les associations. Tout à fait, donc c'est une commune. Et ensuite, concertation et transition numérique, donc le 14/03/2023 à 18h, salle des élus ou en visio. Je crois que les deux options ont été proposées. Et le CSS, bien entendu, le premier mercredi de chaque mois. Excusez-moi, je peux juste... Oui, bien sûr. Je suis étonnée de voir qu'il n'y a pas de commission enfance, jeunesse, citoyenneté encore. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu, donc je voulais savoir pourquoi. Annie. Je crois que c'est prévu prochainement, effectivement. Je ne sais plus. J'avoue que là, je n'ai pas de date en tête, mais effectivement, ça devrait être prochainement. Je reviendrai vers vous pour vous le dire.
C'est oui, le 23 mars, il y a la commission élargie sport et la réunion publique de la révision du PLU, la synthèse des trois réunions publiques. Très bien. Sur les festivités, donc n'hésitez pas demain après-midi à rejoindre la MJC, les abords de la MJC. Ils ont tout un tas de déguisements à vous proposer. Ils ont la possibilité de vous maquiller. Donc, si vous avez des enfants ou si vous n'avez pas d'enfants, n'hésitez pas à rejoindre le carnaval de la MJC à partir de 15h. Je crois que le défilé a lieu à 16h30 au départ de la MJC et le monsieur carnaval est brûlé à 17h30 du côté de l'espace Paul Jargeau. Non. La fin de la marche est à 17h30. Ah oui, non, mais le monsieur carnaval, il brûle bien plus tard. Bon, il brûle à 19h, quelque chose comme ça. Hein. Très bien. Bon, voilà. Pas de souci. Donc, 19h. Enfin, renseignez-vous auprès de la MJC. Allez, c'est le plus simple. Ensuite, le marché des créateurs, donc le dimanche 5 mars. Réunion publique ECTRA suite à l'enquête publique. Donc, salle Méli-Mélo. Donc, venez, vous aurez des réponses à vos questions. Donc, le samedi 11 mars. Alors, le samedi 11, dimanche 12, la journée de championnat U13. U17 roller hockey, donc au gymnase Guy Bolles. Le vendredi 17 mars, le repas très attendu des associations à 19h à l'atelier. Le dimanche 19 mars, une cérémonie commémorative importante. La fin de la guerre d'Algérie le 19 mars 1962. Donc, mobilisez-vous, parce que moi, j'aime bien voir beaucoup d'élus. Ce sont des temps importants de la mémoire de gens qui sont morts pour la France. Donc, on leur doit le respect et on doit commémorer ces temps en étant les plus nombreux possibles. Le jeudi 23 mars, réunion publique. Et vous n'avez eu aucune excuse parce que ça tombe un dimanche. Hein. Donc, quand ça tombe en semaine... Voilà, mais là, ça tombe un dimanche. Donc, réunion publique, donc je compterai les élus qui seront présents. Réunion publique de restitution des ateliers de concertation, donc comme vient de le dire Patrick Ayache, le jeudi 23 mars, donc 18h30. Donc là aussi, venez nombreux, parce qu'on aura avancé, on aura concaténé un petit peu tous les échanges des trois ateliers pour essayer de voir comment on organise la ville demain et on aura sans doute une illustration de comment on tient ces grandes orientations à travers les prospects et à travers le règlement. Et le gala de l'EMC le 26 mars, 17 à 19h. Très bien. Bah, écoutez, je crois qu'on peut reprendre une activité plus normale et il est 21h30. Merci à vous. Et très bon week-end.